Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur ce direct. Euh, attention, ça brille euh, ce soir. J'ai une invitée de marque, Amélie euh, Paul. Alors déjà, on va pour faire les euh, détails techniques, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien et euh, d'où vous venez pour voir un petit peu quelle étendue euh, au niveau du globe pour euh, notre star internationale que euh, j'ai l'immense plaisir de recevoir ce soir. Donc allez-y dans, euh, dans le chat là si euh, au niveau technique ça fonctionne bien. Et donc euh, d'où euh, vous êtes. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors je vais vous laisser répondre parce que vous savez qu'il y a toujours un décalage entre ce, qui, euh, ce que je dis et, euh, et le chat il y a entre on va dire 10 et 30 secondes. Donc, pour que ce soit plus fluide, je vais vous présenter Amélie-Paul. J'étais surpris quand j'ai étudié un peu plus la question, puisque on peut la connaître sous différentes facettes. Et quand j'ai vu tout ce qu'elle avait fait, j'étais très surpris, agréablement surpris. Et donc, je vais vous préparer une petite biographie condensée sur ce qu'a fait Amélie-Paul. Je vous partage... La vidéo tout de suite et je vous retrouve juste après. Actrice, chanteuse, animatrice télé, mannequin, chroniqueuse radio, peintre, écrivaine et naturopathe, la liste est encore longue. Amélie Paul est une artiste aux multiples facettes qui se passionne pour la santé et l'épanouissement personnel. C'est après avoir complété son baccalauréat en communication de l'Université du Québec à Montréal en 2001 qu'elle s'est rendue compte qu'elle préférait de loin être devant la caméra que derrière. Elle débute dans l'industrie de la mode où elle pose pour de nombreux créateurs et remporte plusieurs concours de mannequins, ce qui lui permet de voyager à Paris et dans toute la France, Londres, New York, Los Angeles. La mode la conduira rapidement à décrocher de petits rôles à la télévision et au cinéma. Lorsqu'elle tient un rôle principal dans une comédie musicale au théâtre d'été de Maryville, elle se découvre une nouvelle passion, le chant. En 2005, elle rejoint un groupe du top 40 et passe 4 ans en tournée dans toute l'Asie Jakarta en Indonésie, Séoul en Corée du Sud, Hong Kong, Kuala Lumpur en Malaisie ou encore Vladivostok en Russie. À travers tout cela, elle forme un groupe original rock alternatif, Mythical Number qui obtient un certain succès sur la scène underground montréalaise et qui sort un album en 2011. Sans même aspirer à devenir animatrice de télévision, elle a auditionné pour animer l'émission Call TV sur VTL au Canada, enregistrée à Vienne en Autriche. Elle a obtenu le poste et a eu la chance de vivre dans l'une des plus belles villes du monde pendant un an et demi. Plus tard, elle anime l'émission Photosummum tournée en Jamaïque cette fois, et différentes autres émissions télé au Québec. Voulant poursuivre la comédie en plus du chant, elle est allée étudier le théâtre à l'École des Arts de la Seine de Montréal et a suivi différents ateliers de théâtre et coaching privé, tout en obtenant son diplôme de bionomiste naturopathe en 2019. Elle est maintenant chanteuse rock et influenceuse au Québec et dans tous les pays francophones du monde et compte plus de 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux où elle réalise des entrevues et des vidéos sarcastiques amusantes comme Les Nouvelles de la Vérité Brutale. Amélie est sur Facebook, YouTube, Odyssée et maintenant avec nous sur Neurosatis. Veuillez accueillir, please welcome, Amélie Paul. La foule est en délire Ouais <laughs> Bonsoir Amélie Bonsoir, merci pour la belle présentation Cédric. Avec plaisir, c'est fait avec le cœur. Ça paraît, merci. Je suis ravi que ça te plaise et surtout très très heureux que euh, tu aies répondu euh, à mon invitation. Donc merci euh, d'être là, de nous accorder de ton précieux temps, euh, avec ta bonne humeur et, et ta... Ta joie de vivre, ta lumière, puisque c'est une, une émission lumineuse ce soir. Avec grand plaisir. Merci de l'invitation. Amélie, j'avais fait un partage d'écran. C'est vrai que ton CV est assez impressionnant euh, dans, ce que tu, euh, dans ce que tu as fait. Euh, euh, je ne sais pas. Après, donc, dans, nous dira, on verra dans les commentaires hein, si les gens. Euh, savent savait tout ce que tu as pu faire tu vas nous parler de un petit peu de toi aussi ce soir alors je sais que tu as aussi beaucoup parlé de toi dans d'autres émissions sur d'autres dans d'autres vidéos donc l'idée c'est éviter de de faire du redondant donc on va on va on va parler d'autres choses et surtout les gens qui me suivent aussi aiment bien les nouvelles de la vérité brutale ça c'est une émission que j'adore là on est déjà au numéro 9 donc, c'est euh, un super travail que tu, que tu fais. Tu me disais que ça te prenait énormément de temps. C'est tellement. long. Des fois, j'ai des commentaires de gens qui me disent euh, si Tu devrais en faire beaucoup plus, mais parce que ça me, prend, euh, ça me prend énormément de temps. Euh, je compte les mais ça peut être facilement 60-70 heures. Parce que je, peux, je fais en pièces détachées euh, selon mes disponibilités. Mais j'aime bien tout le processus créatif que ça demande. Euh, au niveau de l'écriture, juste écrire une vérité brutale, je peux peaufiner le texte euh, pendant deux, trois jours certainement. <laughs> Et ensuite, c'est le tournage euh, qui est quand même assez long aussi. Et euh, après ça, le montage, ben là, c'est ça, c'est <laughs> le summum. Ça prend quand même euh, beaucoup de, de recherche pour trouver les meilleures images, les, les, les meilleurs euh, bouts d'entrevue que je mets à côté de ma tête. <laughs> Mais ça, c'est comme une petite chasse au trésor. J'aime bien ça. <laughs> Bien. Ben, après, tu as oublié autre, autre chose. Tu sais, bon, toi tu le sais, je ne sais pas si les auditeurs le savent aussi, nos spectateurs, parce que tu as cette carrière artistique qui est prépondérante donc dans ta vie, là, comme j'en parlais dans ta biographie. Et là, surtout, ce, ce single, là, qui est d'ailleurs arrivé neuvième sur un top 10 là, au, au Québec. Oui, c'est ce qui est surréaliste, c'est la disque. Donc, c'est très mainstream. C'est les artistes euh, qui, qui, qui sont à la télé, à la radio. <laughs> Alors que je me retrouve là, c'est plutôt surréaliste. Mais le clip a eu quand même un, un grand succès. Alors, j'imagine que ça, ça serait un petit peu embêtant de m'ignorer. Alors, c'est comme s'ils étaient un peu au pied du mur et n'y avait pas le choix. Mais je suis très contente de, de faire un petit pied de nez à l'industrie comme ça, là, que même s'ils ne m'encouragent pas, puis que j je joue dans certaines radios régionales au Nouveau-Brunswick, en France, en Belgique, mais les grosses radios au Québec euh, ne me jouent pas, non. <laughs> c'est très drôle. Même ma radio locale de ma ville natale ne me joue pas. Donc, c'est très ah, drôle. Mais ça peut changer alors, tu vas. Tu vas pouvoir leur passer un message alors à ce moment-là de passer euh, à mes <laughs> euh, J'ai des doutes, c'est pas très bien vu pour leurs commanditaires, je crois. De... Ici, c'est peut-être pire qu'en France, au niveau de, de ce qu'on appelle les méchants complotistes, euh, c est, c est, ça paraît vraiment pas bien. Il ne faut pas s'associer à eux, puis les, les commanditaires, toutes les corporations ne veulent pas avoir rien à voir avec euh, les dissidents. Euh, donc les gens sont très très frileux de s'associer avec tout ce qui pourrait sonner complotiste. <laughs> oui, c'est vrai qu'il y a vraiment deux mondes qui se profilent. Alors ce n'est pas complètement l'objet de cette émission, mais enfin on va en parler évidemment puisque c'est quelque chose qui nous anime tous les deux et euh, même qui, euh, qui nous tient à cœur puisque pour euh, bah, changer ta vie justement pour faire toutes ces, euh, ces vidéos. Euh, bah, comme je le fais aussi et comme beaucoup le font, et que ce soit des vidéos mais d'une autre manière, effectivement, euh, ça nous préoccupe. Et là, euh, bah, Amélie, tu es, euh, tu es un peu chez toi, puisque euh, même beaucoup, euh, puisque euh, ceux qui nous regardent sont, euh, ont bien compris les choses. Alors, il y a encore différents niveaux de compréhension. Euh, en tout cas, euh, comme tu le répètes habilement dans tes vidéos de la vérité brutale, eh bien, ceux qui dorment encore... Euh, bah, ils sont en train de dormir justement, ils ne sont pas en train de nous regarder. Exact, là on est en famille, c'est parfait. <laughs> Exactement. Alors j'ai euh, quelques questions qui euh, ont été euh, proposées pour euh, ceux qui sont inscrits sur neurosatis.fr, euh, sur mon site après, donc il y avait une euh, la semaine dernière euh, une annonce hein, pour ta venue en… Euh, sur la chaîne, donc euh, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées en primeur et après, donc dans le chat tout à l'heure, dans la deuxième partie d'émission, on prendra les questions qu'ont posées euh, nos spectateurs en direct. Avec plaisir, parfait. Ah, as vu je avais pas, t'avais pas demandé, n'avais euh... <laughs> pas posé de questions, je t'avais informé, mais c'est vrai que sur le principe, quand on a fait un petit, euh, une préparation, effectivement, tu, euh, tu étais d'accord et donc c'est. Euh... C'est très gentil à toi de, de te lancer là-dessus. Donc, euh, on y va. Alors, pour les premières questions, après, je vais te mettre en plein Moi, écran. Moi, je n'ai pas de tabou. Je n'ai pas de tabou. Moi, je suis dans le monde de vérité. Alors, euh, balancez les questions, il n'y a aucun problème. Ok, c'est super. Eh bien, alors, tu sais que comme on est aussi diffusé sur YouTube et sur Facebook, nous allons utiliser notre langue de bois sanitaire. Euh, toutefois, effectivement, euh, les messages viennent du cœur. Donc, la première question, c'est à quel moment as-tu eu un éveil de conscience à propos des événements sanitaires? Donc, à propos de, de la COVID spécifiquement, euh, moi, tout de suite, là, je, même avant que ça soit officiel au mois de mars 2020 ici au Québec, quand je commençais à en entendre parler, euh, je me disais Mais c'est quoi cette arnaque? C'est quoi? Je n'avais pas vu que ça faisait partie du plan spécifique. Euh, j'avais beaucoup lu là-dessus. Là. J'avais lu des livres qui parlaient de, 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 de sa, cet agenda-là, de, de contrôle planétaire, de nouvel ordre mondial, euh, potentiellement, euh, éventuellement pucer les gens et tout ça là, pour vraiment contrôler tout le monde. Des livres de, de complotistes finalement, de, des livres de complots. Alors, euh, ça faisait longtemps que j'avais euh, que j'étais consciente des complots. Mais par rapport à la COVID spécifiquement, moi j'ai jamais cru. J'ai tout de suite su que c'était une arnaque, même quand on l'a annoncé en conférence de presse, il me semble que c'était le 13 mars 2020, si je ne l'abuse. Euh, je voyais que c'était faux, euh, tout sonnait faux. Et aussi quand tu as étudié la naturopathie, eh bien, tu sais que les virus dans la nature, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, bon, je ne sais pas si je devrais m'attarder sur les virus pour ne pas être censuré, mais les virus ouais. euh, sont nos amis. Ils hein, ne sont pas là pour, pour nous faire du tort. Ils sont là pour nettoyer le corps. Et les symptômes de nettoyage du corps, c'est bien, c'est bienveillant. C'est le corps qui a assez de vitalité pour se, se nettoyer et non pas euh, qu'il y a un virus qui nous a sauté dessus pour nous attaquer. Hein, ça, c'est vraiment une vision très euh, pasteurienne de la médecine qui est fausse pour moi. Mais non, bon, j'ai rien dit. On va couper ça au montage pour ne pas être assuré. <rire> <Très> <rire> Mais non, on, on, ne, on ne critique pas du tout le consensus scientifique médical mondial. On est d'accord, hein voilà. est vrai? On est d'accord avec le consensus mondial bon. sur la médecine. Exactement. Par contre, on n'incitera pas à l'euthanasie ce soir, donc, euh... <laughs> donc évitez vos doses. Mais euh, oui, pour répondre de... à la question, mon éveil de conscience a été euh, tout de suite. Euh, je savais que c'était, euh, c'était faux. Voilà. <laughs> D'accord. <laughs> Super. Oui, parce que bon, après pour la petite histoire juste brièvement, on se retrouve sur cette chaîne YouTube, pas sur ma chaîne principale, parce que justement pour avoir partagé euh, quelques informations du professeur Raoult, en condensé, euh, je, ça ne répondait pas euh, à, au narratif euh, médical et du coup la chaîne a été bloquée. Donc on se retrouve ici et sur cette chaîne il n'y a pas eu encore d'avertissement, donc on peut y aller. Hein euh... ben bon, ça serait bien que ta chaîne de backup reste en vie aussi. Là, donc... Ouais. Ben, c'est pour ça qu'on a fait une pause et cette émission va être republiée sur la grosse chaîne euh, dès qu'elle sera de nouveau euh, ouverte euh, à la publication. Euh, ceci étant dit, la deuxième question, Amélie, parce que là, tu, euh, tu, es, tu es à fond, là, peux-tu nous raconter comment se passe la vie sanitaire en société près de chez toi, s'il te plaît euh, Moi, j'habite à Sorel-Tracy et euh, je crois que c'est probablement une des régions du Québec où le taux de vaccination est le plus élevé. <laughs> donc, dans ma région, je suis vraiment un extraterrestre. Euh, mon copain, il a, un, il a un restaurant et pour lui, la business, ça n'a pas vraiment rien changé parce que la plupart des gens ont leur passe sanitaire. Euh, donc, euh, oui, dans, dans ma région, euh, les gens sont très dociles, euh, très euh, conformistes. Je ne crois pas qu'ils croient, qu qu croient tout ce qui se passe, mais ils n'ont pas envie de se poser de questions. Euh, ils suivent le troupeau, tout simplement. Ils ont d'autres choses à fouetter. Ils n'ont pas envie de s'intéresser à ça. Je, je crois que c'est ce que je ressens un peu, là, si je prends le pouls de la situation pour ma région. Et si c'est euh, pour le Québec, je crois que ça suit la France. Habituellement, ce qui se passe en France, euh, bon, euh, le Québec suit un mois plus tard. Euh, C'est un plan mondial. Hein? Donc, euh, bon, ça suit. Et je crois que la France, le Québec et bien sûr l'Australie sont spécifiquement euh, touchés, spécifiquement attaqués parce qu'on a du sang gaulois, on a du sang, euh, pas pour les Australiens, mais euh, on est des dissidents de nature. Là. Comme les, les, les Québécois, on, on, est, on a la souveraineté dans le sang. Puis en France, il y a les Gilets jaunes et tout ça. On est des rebelles. Hein? Donc, euh, je crois qu'en s'attaquant aux, aux plus rebelles au départ, mais après ça, le reste va suivre très facilement. Et malheureusement, ce n'est pas si difficile. Hein? On voit que même les dissidents semblent plutôt dociles, même si je crois que le niveau de conscience s'élève et la plupart des gens ont constaté que c'était une pièce de théâtre. Les gens n'adhèrent plus nécessairement. Mais. Euh, C'est la loi du silence qui règne. Les gens ont juste peur de s'afficher, ils ne veulent pas être pointés du doigt, ils ne veulent pas être traités de complotistes. Alors euh, tout le monde se ferme, tout le monde se conforme, porte leur masque, vont se faire vacciner, puis euh, ils veulent juste, je pense qu'ils étouffent, hein, Cette voix-là en dedans d'eux qui leur dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils préfèrent étouffer, étouffer et euh, pas se faire bousculer dans leurs habitudes. Pour pas que leur quotidien s'effondre, que leur vie s'effondre. Voilà. Alors que moi, j'aime me faire challenger, remettre mes idées en question, mais je, ce que je constate, c'est que la plupart des gens ne veulent pas de changement et aiment le confort de la stabilité et le statu quo. Ce qui, pour moi, c'est la mort. Là, le, la stabilité, le statu quo. <laughs> je veux tout sauf ça. Il faut, faut, faut que ça bouge, il faut qu'on s'élève, il faut que ça avance. Faut qu il faut qu'il y ait une évolution constante. Mais ce que je constate, c'est qu'évidemment, les gens ne pensent pas tous comme moi. <laughs> une chance. Oui. Bah, c'est vrai que quand on voit aussi euh, bah, ce que tu as déjà fait dans ta vie, on voit que tu es une femme d'action, une femme qui ose prendre des risques et une femme euh, bah, qui a beaucoup voyagé. Qui, et ça, c'est vrai que, comme on dit, ça forme la jeunesse. C'est pour ça que tu fais toujours 23 ans. Et euh, c'est euh, tout à ton honneur, justement, de, de montrer. C'est pour ça que ta voix porte vraiment, euh, Amélie. J'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup d'expériences de, 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 euh, difficiles, traumatisantes, la maladie, euh, tout, euh, l'addiction. Euh. Donc, quand on passe par là, on, on, on comprend après les gens, on comprend ce qu'ils vivent. Euh, mais en même temps, on ne peut pas dire Hey, je sais, écoute-moi, je sais ce que tu vis, puis je sais quoi faire pour que tu t'en sortes. » Non, chacun doit. Vivre son processus, euh, dans le fond, on se crée, on se crée ce processus-là, on se crée ces obstacles-là pour l'évolution de notre propre conscience. Donc, on ne peut pas tirer sur quelqu'un pour qu'il évolue plus vite. Hein, euh, mais c'est ainsi. Mais effectivement, j'ai voyagé beaucoup, je crois que ça aide et j'ai côtoyé euh, différentes nationalités, euh, différentes cultures, différents. Euh, niveau social aussi, des gens très, très pauvres ou des gens très riches qui se promènent en jet privé. Tu sais, j'ai vu tous les paliers de la société, donc j'ai l'impression que ça l'aide beaucoup à, à pouvoir décortiquer les gens, puis saisir le vrai du faux, euh, comprendre peut-être les, les hommes d'affaires très riches, leur façon de penser aussi. T'sais, la façon de penser de, de, de l'élite. Je n'ai pas été au, au, au sommet du monde, là, ceux qui contrôlent, puis qu'on ne sait pas c'est qui, parce qu'ils sont comme dans, anonymes dans l'ombre. Mais des gens très influents, très, très riches. Et euh, j'ai vu comment ça se passe un peu. Donc euh, voilà, je crois que ça l'ouvre l'esprit, puis on, on est moins naïf. Je me suis fait beaucoup avoir euh, dans la vie euh, fraudée, euh, arnaquée, euh, des relations toxiques. Par des, des, tu sais, quand on se fait avoir par des pervers narcissiques et tout, ça, ça aiguise nos, nos sens puis on peut déceler tout ça plus rapidement quand on s'est fait avoir mais ben, on, on s'arrange pour pas se faire avoir deux fois mais Compré ceux qui, qui j'allais juste dire ceux, ceux qui, qui croient, qui sont très naïfs qui croient que nos dirigeants ont notre bien à cœur j'ai l'impression que c'est des gens qui ont jamais qui ont peu de vécu ou qui ont jamais se sont jamais fait avoir dans la vie. Oui alors on on a eu tout à l'heure aussi pour expliquer c'est pas qu'on se coupe la parole mais en fait comme tu es assez loin finalement on arrive à avoir une seconde d'écart <laughs> quand on oui discute. on va y arriver on va y arriver avec le petit décalage mais c'est pas c'est pas si pire. <laughs> voilà ce que je voulais dire c'est par rapport à ce que tu viens de préciser c'est que effectivement quelqu'un qui pour lui euh, la violence, la perversion n'existe pas dans sa réalité, va avoir du mal à imaginer que des gens puissent le faire. Mmh. Et, et c'est pour ça que ça peut aussi euh, bah, provoquer certains désarrois. Et, et aussi, ce que tu disais par rapport euh, à ceux qui sont haut placés, ou, il y en a qui peuvent aussi côtoyer ou même eux-mêmes être pervers. Donc, à l'inverse, eux vont imaginer que tout le monde est pervers. Tu vois, on, mmh. en fait, c'est un peu le côté miroir. Et c'est pour ça qu'on peut trouver toutes ces différences donc, dans la société. Tout à fait. Il faut, faut apprendre ça, le discernement, puis euh, être capable de détecter le, le vrai du faux. Des fois, c'est subtil, mais euh, on s'entraîne. Il ne faut, faut pas non plus projeter comme tu dis. Ce n'est pas parce que nous, on a bon cœur, puis on veut le bien de tous que tout le monde est comme ça. Il faut arrêter de se projeter sur les autres. On le fait souvent. Voilà. <coughs> Et puis comme on dit, quand on se fait avoir une fois, ce n'est pas de notre faute, mais la deuxième fois, on peut commencer à se poser des questions. Voilà. Qu Et a des fois, pas on se fait avoir trois, quatre fois à un moment donné. Moi, moi j'ai répété des cycles comme ça souvent, mais à un moment donné, on comprend. T'sais. Quand mm. la même situation se répète toujours dans notre vie, surtout au niveau des relations, quand on attire perpétuellement le même type d'homme ou de femme très toxique, puis là, on dit Voyons, j'attire tout le temps le même genre de, des, des fous, hein? Des, des, des folles. Il y a des hommes qui disent, moi j'ai tout le temps des folles. Mais c'est pas pourquoi vous attirez ça. Tu sais, c est, c est... <laughs> il y a quelque chose en vous que vous devez travailler pour cesser d'attirer ça. Alors il y a tout le temps des leçons à apprendre et c'est en se responsabilisant qu'on apprend les leçons. Non pas en disant toujours c'est la faute d'un ou de l'autre. On a tendance à faire ça souvent. Mais il faut se responsabiliser et se demander toujours, bon, pourquoi j'attire ça dans ma vie? Pourquoi je me crée ça? Il y a quelque chose là, il y a un trésor, il y a une leçon à aller chercher. Des paroles pleines de sagesse. Ah, merci. <laughs> Alors, on va passer à la question suivante. Alors, comment les événements ont changé ta vie? Donc, on parle toujours euh, effectivement euh, du monde. Oui, oui, euh, en fait, euh, mon Dieu, c'est ma vie, c'était la vie d'avant et maintenant, ça a changé complètement. Euh, la seule chose qui a resté, est restée, c'est que j'aime encore chanter, j'aime être dans la créativité, mais je, je, je l'avais perdu, ce côté-là, on dirait que ce que notre âme nous pousse à faire, des fois dans, dans le monde normal, on a tendance à... À l'étouffer. Non, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et je, moi, j'étais perpétuellement à la recherche de contrats et des contrats que j'aimais pas souvent, euh, faire de la figuration, des choses comme ça, que ça me nourrissait pas du tout. J'étais pas heureuse là-dedans, mais je cherchais toujours parce que c'est l'insécurité hein, quand on est travailleur autonome, on cherche, on a toujours peur de, de manquer d'argent. Et puis, quand la, la pandémie a commencé, ben, on, on recevait au Québec, je pense que en France, vous ne receviez pas un chèque du gouvernement, ou c'était très peu. Mais ici, au Québec, on pouvait recevoir l'aide du gouvernement. Alors, ça, ça a permis que j'ai pu me poser sans chercher du travail tout le temps. De toute façon, il n'y en avait pas. Et là, ça a été révolutionnaire pour moi, ce temps de repos, ce temps de, pour me reconnecter à moi-même, passer du temps dans la nature, euh, du temps pour euh, juste. Euh, faire ce qui me plaisait sans stress et euh, ça a été hyper euh, bénéfique. C'est comme si je me suis alignée avec euh, qu'est-ce que je devais faire. Après ça, toutes les réponses sont venues toutes seules. Tout s'est fait seul, tu sais les idées pour des vidéos puis j'aurais jamais pensé avant faire des vidéos sur les réseaux sociaux, j'aurais dit bon, pour qui tu te prends Amélie pour faire ça Tu rien pour faire ça. Tu n'as rien à dire les gens s'en foutent de toi. Mais il y a quelque chose qui poussait pour que je le fasse. Et euh, je l'ai fait, puis ça, ça a fonctionné. Puis après ça, j'étais animée par ça. Euh, puis j'ai commencé à faire des entrevues. J'en faisais un petit peu avant la télé euh, communautaire. Je faisais des entrevues aussi. Et puis j'aimais ça. Non, bon, pourquoi pas? Faire des entrevues, faire tout. C'est comme les, les possibilités sont illimitées. J'avais pu à mettre des limites. Donc, c'est de passer à un cadre très, très limité. Et attendre que le téléphone sonne pour qu'on me donne des contrats. Tu sais, un, un peu euh, quémandé, là, au Québec, qu'on dit, là, être dans l'attente, puis comme une victime, à prendre mon pouvoir et moi-même créer mes opportunités, ça a été révolutionnaire dans ma vie, vraiment. Tu as utilisé ton <laughs> pouvoir créatif et créateur aussi pour créer les opportunités, justement, qui t'amenaient à faire ce que tu avais envie de faire. Oui, et c'est ça attendre après personne et, et juste même faire ce que j'avais envie euh, sans m'inquiéter pour l'argent sans me dire euh, est-ce que ça va me rapporter de l'argent juste le faire parce que j'avais envie de le faire et euh, éventuellement ben, j'ai pu trouver des petites façons pour que qu y ait de l'argent qui rentre par rapport à ça mais, mais au début c'était juste le faire parce que ça me poussait de le faire et j'avais envie tout simplement sans me poser de questions. Et sans attendre de résultats aussi, je n'avais pas l'intention de devenir une star du web. Là. Moi, c est, c est, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait, cet univers de réseaux sociaux, des, des vidéos sur YouTube et tout. J'avais une chaîne, mais pratiquement, il n'y avait personne et pratiquement aucune vidéo. Alors, c'était juste parce que j'avais envie de le faire. Ça poussait pour moi. Je voulais souligner les incohérences des mesures sanitaires. Je voulais, je voulais juste me moquer. En exposant comment les mesures sanitaires allaient complètement à l'encontre de la santé. Et euh, c'était très naïf de ma part. Je ne pensais pas que c'était si, si révolutionnaire, de, si dangereux de s'afficher comme ça. Euh, C'est pas comme la plupart des gens autour de moi auraient jamais osé. Puis moi, je ne comprenais pas pourquoi. C'était vraiment de la naïveté. Il n'y avait rien d'autre là. Pour moi, j'avais l'impression, comme tout à l'heure, je disais, il ne faut pas projeter chez les autres nos propres pensées ben moi je faisais ça j'avais l'impression que tout le monde pensait comme moi que tout le monde voyait que c'était faux puis que c'était juste rigolo puis qu'on pouvait tous en rire ensemble mais non <laughs> j'ai bien vu que c'était pas tout le monde qui voyait le mensonge disons <laughs> merci pour euh, pour tes réponses alors de ce fait comme ta vie a changé euh, la question suivante peut la la continuité pour nous expliquer, nous, nous raconter. Donc, peux-tu nous dire comment se déroule une journée typique dans ta vie? Euh, une journée typique. Euh, comme ce matin, j'avais un, un live, je fais les, les matins d'Amélie le mercredi matin. Donc, là, évidemment, je me lève à 6 heures. Je prépare euh, le live que j'ai préparé la veille, mais les petits derniers préparatifs. Et ensuite, bon, je rentre euh, en live de 8 à 9 environ. Euh, ce matin, ensuite, je suis allée chez ma maman parce qu'elle a certains problèmes de santé, mais, mais là, ça semble aller beaucoup mieux. Je suis contente. Et euh, passer un petit temps avec ma mère, c'est pas mal la seule activité que je, je fais. C'est aussi ma seule activité sociale. Alors, j'essaie d'aller passer un petit peu de temps chez elle. Sinon, euh, matin, typique, je me lève. Je regarde mes messages, j'essaie de, de répondre au plus de messages importants. Je ne peux pas y arriver, donc désolée si je ne peux pas répondre à, à, à tout le monde. Euh, et ensuite, euh, habituellement, je vais me mettre sur du montage, si c'est une vérité brutale. Là, en ce moment, je suis en train de faire un montage pour euh, le Ciao Bye 2021, euh, qui est euh, une émission euh, euh, humoristique de fin d'année. Donc, je suis en train de travailler sur ma petite capsule. Habituellement, ça va être ce montage ou écriture. Euh, parfois, j'ai des lives, des entrevues comme ça. Mais la journée va toujours se passer. C'est toujours, euh, je travaille. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai écouté un film ou que je me suis assis tranquillement devant la télé à écouter une émission sur Netflix ou n'importe quoi. Je et quand j'ai un petit peu de temps, quand, quand je dois faire que ce soit à manger ou plier du linge, <laughs> euh, j'écoute les, les lives ou les vidéos que mes amis m'ont dit il hey, faut absolument que tu écoutes ça, ou, ou les entrevues euh, que mes amis font. Donc, c'est là que, que je l'écoute comme en, en podcast, là, comme si c'était à la radio. C'est là que j'écoute euh, le contenu parce que je n'ai pas vraiment le temps de m'asseoir devant mon ordinateur et regarder une vidéo. Donc, c'est ça, c'est tout le temps un petit peu euh, d'essayer de maximiser mon temps. Mais j'aime ça, tu sais, je, je, je me plains pas, j'aime vraiment beaucoup ça, mais c'est la, la partie euh, des messages, là, qui c'est dur à, à gérer toute seule. <laughs> J'ai pas d'assistante pour m'aider. J'ai une assistante qui m'aide avec Telegram. Donc, Virginie, je la salue, une française qui, qui m'aide Elle a scrub toutes les. les les nouvelles mondiales et puis euh, c'est merveilleux. Comme ça, les gens si ont envie d'être au courant de tout ce qui se passe sur la scène internationale, eh bien euh, c'est sur ma chaîne euh, Telegram et elle fait vraiment du bon travail. Mais sinon, je m'occupe de tout le reste et c'est beaucoup beaucoup de travail. J'aimerais ça pouvoir me concentrer seulement sur créer des capsules, euh, mais voilà, il y a toujours d'autres choses à gérer aussi par rapport à la musique, si c'est euh, euh, bon, préparer un clip, parler à un réalisateur, tourner, tout ça. Bon, il y a tout le temps, il y a tout le temps beaucoup de choses à, à gérer. Bien. Ben, je m'étais en même temps là, que tu parlais pour voir un peu te, ton étendue aussi sur les, euh, sur les réseaux sociaux, puisque donc, là, il y a ton Facebook. Donc, pour ça, à, à rejoindre euh, Amélie pour ceux qui ont Facebook. Euh, ta chaîne YouTube. Alors, une de tes chaînes YouTube qui reste debout, puisque ça a été... J'ai recommencé à zéro. Euh, voilà, ça peut plusieurs fois. Et puis, euh, sur Odyssée aussi, où as, tu as une communauté aussi euh, grandissante. Et là, effectivement, on peut dire un petit peu plus des choses. Donc, allez faire un tour donc sur tout, tout, euh, toutes ces plateformes euh, où Amélie est présente. Et euh, bah, on retrouve sur ton site, en fait, on va retrouver... Euh, les différents liens. Euh, oui, c'est sur trouver... ameliepaul.com. tout simplement, on peut me retrouver sur toutes euh, les différentes plateformes. Alors on peut... Euh, c'est facile amélipol.com pour me rejoindre pour trouver toutes les bonnes plateformes là-dessus. Mmh. Donc ça fonctionne bien. Et puis euh, là, tu parlais justement du temps. Alors c'est vrai que tout le monde. Euh... En tout cas, beaucoup de gens peuvent courir après le temps, et pour pouvoir après bah, continuer à faire tes, euh, parce que finalement, toi, tu as dédié ta vie là. Justement, on parlait de la manière dont elle a changé ces, ces temps-ci. Euh, à ça, ton activité euh, artistique, euh, parce que tu, tu peux aussi commercialiser donc ton, ton single. On va en parler euh, un petit peu après. Oui. Et ce qu'il y a, c'est que je, je, je veux faire euh, en fait. Euh, Profitez-en pour euh, bien comprendre que euh, Amélie, pour que tu puisses continuer et, et pouvoir faire ça et peut-être même après euh, te, te faire aider hein, pour pouvoir répondre à plus de gens, pour pouvoir être plus présente, faire plus d'activités. Euh, bah C'est par la donation, donc effectivement il faut. Euh, C'est pas toujours évident de demander, il faut avaler un peu son ego. Euh, mais je veux vraiment insister là-dessus puisqu'il y a beaucoup de, de personnes qui. Euh, comme toi, Amélie, hein, qui ont décidé de, de, de sortir la tête, de se mettre un petit peu en avant, euh, et justement se mettre en avant avec le cœur, pas avec, euh, avec l'ego, puisqu'on voit bien que tu fais vraiment ça pour le bien commun. Euh, donc, euh, un appel pour manifester votre générosité, vous allez sur euh, Amélie Paul, et, euh, et donc sur son site, vous pouvez après faire des donations. Euh, même 5, même 1, même en fait, euh, disons que plus il plus y a, mieux c'est. Ce qu'il faut voir, c'est que. Finalement, pour pouvoir faire une grande distance, il faut déjà commencer par un premier pas. C'est gentil, Cédric, de le mentionner. C'est toujours un peu, comme je disais, ça prend beaucoup d'humilité pour demander des dons au public, mais c'est ça, tu sais, on, 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 on crée du contenu, on crée un divertissement, puis je dis, on, oh, je parle pour toi aussi. Alors, euh, ben c'est ça, les gens maintenant, c est, c est, on s'en va vers le nouveau monde. <laughs> je parle souvent du nouveau monde. Euh, et les, les, dans ce nouveau monde-là, on encourage ceux qu'on a envie de voir. C'est plus comme on, on paye le, 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 le câble au distributeur et puis là, on, on voit toutes les insignifiances à la télé. <laughs> euh, mais effectivement, les, je ne sais pas si les gens réalisent que euh, je, je suis certaine, c'est la même chose pour toi. Notre vie est dédiée à, à cette mission-là. Appelons ça une mission. Euh, moi, je n'ai pas d'enfant, donc. Ma vie, c'est ça, tu sais, je, je veux dire, ma vie, c'est ça. Et euh, une petite place pour ma famille, mais tu sais, on ne peut plus aller au resto, on ne fait plus vraiment d'activité. Euh, mon activité, moi, c'est d'aller prendre une marche à l'extérieur ou dans la forêt. <laughs> Et voilà, tu sais, je ne pas, suis pas une fille qui, qui, qui fait la fête, je ne bois pas d'alcool, je, je suis très sage. J'ai vécu ça il y a quelques années, là. La fête et, et la débauche, mais maintenant hein, je suis très sage et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution de ma conscience. Tu sais, et d'essayer peut-être d'imbiber de, de, ça dans ce que je fais créativement. Tu si sais, ça peut avoir une influence positive, mais ça me réjouit, tout simplement. Très bien, ben, c'est ça, ben, c'est comme si, euh, comme tu le dis, hein, là c'est le choix, et je pense que c'est un petit peu comme ça euh, que va résonner le nouveau monde, plutôt que nos impôts soient donnés à des personnes qu'on ne regarde pas, et eh bien là on peut le faire euh, directement, à donner à qui on veut, et finalement c'est vrai que je vois la, la vérité brutale neuf, là, si on retourne sur ton, euh, ton, ton Facebook, elle a été énormément partagée, euh, vue oui. aussi, et c'est vrai que si chaque personne, avec ce, ce moment agréable, avait pu de, ne serait-ce que donner un dollar ou un euro, eh bien, euh, oui, tu. Euh, J'aurais fait mon tu sais année. J'aurais <laughs> dû de faire des, des, des super contenus comme ça. Donc <laughs> Mais euh, je, je comprends pas que ce n'est pas, pas tout le monde qui peut se permettre, puis je comprends tout à fait. D'ailleurs, euh, sur, euh, sur cette page-là, là, un peu plus bas, on devrait, être, on devrait voir le live. J'ai partagé ton live. J'espère qu'on qu le voit. Ah, oh, ben c'est peut-être peut euh, parce que c'est qu pas, de... oh, <laughs> pas grave, je voulais juste m'assurer que tout fonctionnait bien, que j'ai bien partagé ton live. <laughs> Mais euh... Donc voilà, ben c'est ça, c'est euh, une passion, c'est rien de moins. Comment ça a changé ma vie pour revenir à la question de tout à l'heure? Ben, ça a changé que maintenant, c'est tout ce qui m'importe. Je, je veux dire, j'habite avec mon copain, donc c'est sûr que je donne un petit peu de temps. Euh, mais lui aussi, il a sa passion de son côté. Lui, c'est son resto. Alors, on travaille les deux euh, sur notre passion et on, on s'aide euh, mutuellement à, à, à s'élever. Tu sais, on n'est pas là à essayer de se mettre des, des bâtons dans les roues. Et euh, voilà. C'est ce qui m'anime. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Et je pense que dans, dans tous les lanceurs d'alerte, c'est un point qu'on a en commun. C'est que... On tout ce qui nous anime, on dirait que c'est tout ce qui compte. Mmh. Bah, c'est le cœur, c'est ça. Pour, pour ça, pour ceux qui nous écoutent aussi, si quelque chose vous tient à cœur, eh bien, il faut le dire, il faut le manifester. Et euh, si vous ne savez pas comment mettre en place aussi, parce que on peut tous avoir des talents cachés, euh, j'en ai trouvé aussi euh, en toi, Amélie, et, et toi tu, tu les connais bien. Et il y en a encore à découvrir, comme pour nous tous. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut oser. À un moment donné, il faut mettre votre égo de côté et se dire OK, je me lance. Et même si parfois ça peut mettre du temps pour se mettre en route. Eh bien, faites quand même quelque chose. C'est comme pour la donation. Eh ben il faut commencer par un, et puis après, c'est la somme de. de... C'est un ensemble qui fait que on peut voir les choses. Eh bien, quand vous vous mettez à l'action, bah, vous pouvez aujourd'hui n'importe qui peut démarrer une chaîne YouTube, peut démarrer une page Facebook. Il n'y a pas besoin d'avoir de, 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 de matériel particulier. Avec un smartphone, on fait beaucoup de choses déjà pour démarrer. Et je veux vraiment euh, bah, encourager tous ceux qui se sentent euh, avec des sujets qui leur tiennent à cœur, eh bien, si vous êtes dans la bonne énergie, de toute façon, ça va bien fonctionner. Donc, soyez confiant là-dessus et prenez exemple justement sur sur Amélie, sur sa, sa persévérance pour pour arriver à, à ce que tu fais aujourd'hui. Et comme tu dis, c'est vrai, lancez-vous. On n'a pas besoin de moyens techniques. Euh, incroyable, juste un, un smartphone maintenant. Euh, mes premières vidéos, c'était juste comme ça. Je me filmais avec mon téléphone et c'était tout. Vous n'avez même pas besoin d'avoir des grands talents de montage ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est le contenu, ce que vous avez à dire. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans, dans tout ce message-là? Euh, si si quelqu'un veut en avoir plein la vue techniquement avec des gros moyens, il peut regarder la télé. Mais. Maintenant, c'est ça qui est merveilleux, c'est que tout le monde peut produire du contenu. Et faites pas comme moi. Moi, je m'empêchais, j'avais peur. Parce que je me disais, ben, pour qui tu te prends, tu sais, l'ego, hein, la petite voix. Pour qui tu te prends, tu sais, t'es qui toi pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux Pff, tu, Les gens vont se moquer de toi. Mais voilà, il faut, faut, faut foncer hein, quand on sent qu'on doit faire quelque chose, on doit le faire, puis on doit pas. Euh, Laisser cette petite voix là nous nous emporter et nous nous convaincre de ne pas le faire. Quand ça pousse comme ça, là, puis ça fait longtemps que ça pousse, c'est signe que oui, là, il est temps de se lancer. Très bien. D'ailleurs, j'ai mis une citation de Sensu là, qui, euh, qui a écrit L'art de la guerre. Et à propos de l'ego, on peut justement euh, appliquer euh, cette citation là Remporter sans victoire après sans bataille n'est pas le plus habile. Le plus habile consiste à vaincre sans combat. C'est-à-dire que par rapport à votre ego, justement, et comme vient de le décrire Amélie, à mon sens, c'est de vaincre votre ego sans avoir à le combattre. Si vous luttez, vous allez lutter contre vous-même, et je l'explique à plusieurs reprises dans mes vidéos aussi, et vous êtes en lutte, vous, êtes, vous allez vous épuiser, alors que vous n'avez pas à vous battre contre vous-même, vous avez juste à mettre la lumière sur l'ego, il va disparaître. Et c'est dans l'action, en agissant du coup avec votre cœur, que vous allez pouvoir eh bien, réaliser les choses et, et l'ego va s'effacer naturellement. Et je parle souvent, quand je parle de, du, euh, du nouveau monde, là, euh, je, je veux juste spécifier quelqu'un, euh, j'ai vu un commentaire aujourd'hui dans une de mes vidéos qui disait, quand tu parles du nouveau monde, est-ce que tu veux dire le nouvel homme mondial? Mais non, absolument pas. Je parle du nouveau monde de conscience qu'on est en train de bâtir. Et, et il existe, c'est ça le nouveau monde. Là. Ce qu'on fait en ce moment, c'est ça fait partie du nouveau monde, une nouvelle façon de, de faire du divertissement, de faire de la télé. Euh, donc, c'est ça, c'est pas le nouvel ordre mondial. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est typique au Nouveau Monde, c'est aussi de passer à l'action. Tu sais, quand on s'élève en, en conscience, c'est de, 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 de passer à l'action. C'est pas de, de rester là à méditer toute la journée, à rien faire. Tu sais, c est, c est, poser des gestes concrets fait partie de, de cette élévation spirituelle. Que, que, comment tu l'appelles? Tu dis, il y, a, il y a la croissance personnelle et le développement, le développement spirituel. Dis, voilà. <laughs> ouais, le développement personnel et le développement spirituel. Et il faut commencer par ce développement personnel pour se connaître soi-même, pour connaître son pouvoir intérieur, pour ensuite se rendre compte qu'on fait partie d'un plus grand tout et donc aller vers son développement spirituel. Et spirituel comme esprit. Tout à fait. Mais c'est ça. Donc, dans le développement spirituel, l'action euh, en fait partie intégrante. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans une précédente vidéo, je sortais une citation, d'Isaac Asimov qui disait que une civilisation qui manquait de sagesse était vouée à l'extinction. Et dans les commentaires, justement, j'avais vu des gens qui me disaient, mais moi, je suis pas d'accord sur le fait de de ne pas combattre. Il faut se battre contre ce système, etc. Et en fait, je pense que ça avait été perçu différemment, c'est que il faut pas se battre contre un système qui est en train de s'écrouler, mais il faut construire quelque chose qu'on est en train de créer. Et c'est ça la subtilité. Donc, ça rejoint ce que tu dis, Amélie, d'être dans l'action. Par contre, ne, ne soyez pas dans l'action pour lutter contre quelque chose. Comme je reprenais l'exemple de l'ego, là, je peux vous remettre la, la citation. Mais par contre, d'être dans l'action pour construire autre chose. Et, et effectivement, ce soir, c'est ce qu'on fait. On construit euh, de la lumière. On, 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 on parle et euh, on s'exprime avec notre cœur. Et j'espère que tous ceux qui nous suivent aussi. Nous pouvoir se remplir de ces bonnes énergies et, et nous en donne également. Tu fais bien de préciser, c'est vrai, dans l'action, mais l'action créatrice et non pas euh, dans la résistance. Euh, justement, on n'est plus au point d'essayer de se battre contre cet ancien monde-là pour essayer qu'il revienne. Ou, euh, non, non, laissons-le s'effondrer. Il est en train de s'effondrer de toute façon. Et la meilleure façon d'accélérer ce processus-là, de l'effondrement de ce monde-là, c'est de créer le nouveau. Et plus il va y avoir de gens qui vont s'en venir avec nous dans le nouveau monde, et plus il n'y aura presque plus personne dans l'ancien monde, et puis ça va s'éteindre et s'effondrer tout seul. Exactement. Ben, C'est une bonne transition pour la, la question suivante, Amélie. Puisque euh, ben justement, on parle de monde, et, et tout à l'heure, tu parlais de prophétie aussi. Eh bien, voilà, comme tu parles de prophétie biblique et, euh, et j'ai entendu aussi dans des lives de parler de, de Jésus-Christ, mm -hmm. euh, je voulais savoir comment en fait tu pouvais nous raconter ta première expérience avec Jésus. Euh, moi, j'ai été élevée dans une famille euh, catholique, pratiquante. Il euh, fallait que j'aille à la messe à tous les dimanches. Euh, donc, pour moi, c'est sûr que Jésus était très présent. Et. Par contre, j'ai toujours eu comme une connexion avec le message de Jésus et le reste m'intéressait plus ou moins. Je <laughs> n'aimais pas aller à l'église, je trouvais ça ennuyant. Et même dans les cours de catéchèse à l'école, je me disais Ah, il y a quelque chose qui ne marche pas dans les enseignements. Tu sais, on nous dit que Dieu est amour, pardon, paix et tout, mais en même temps, on dit que si on fait quelque chose de mal, Dieu va se venger ou il va être fâché. <laughs> je sais pas. Donc moi dans ma tête de petite fille tout ça ça faisait pas de sens mais j'avais euh, cette connexion là avec Jésus euh, euh, d'aussi longtemps que je me rappelle si je regardais à part qu'il y avait toujours des films de Jésus à la télé et euh, le bout de la crucifixion mais je pleurais je pleurais je pleurais si c'était la fin du monde là. Euh, dans ma tête de petite fille, je me disais, mais comment que les gens ont, ont pu faire ça, un être aussi extraordinaire? Comment les gens pouvaient être si méchants? Puis on, on regarde ça, puis on se dit, ah, oh, c'est parce que ça fait 2000 ans. T'sais, les gens ont évolué aujourd'hui, mais finalement, je me rends compte que non, les gens n'ont pas évolué depuis 2000 ans. Bon, peut-être qu'ils ne vont pas crucifier les, les, les gens différents, les, les dissidents. Ils ne vont pas les crucifier sur la place publique, mais ils vont les ostraciser quand même, puis ils vont les traiter de tous les noms. Alors, est-ce qu'on a vraiment évolué? Et Jésus était un dissident, c'était un, un mouton noir qui, qui, qui venait créer cette cassure-là. Il venait créer un nouveau monde. Il y a 2000 ans, il s'est dit « bon, ben là, c'est fini, là, les, les, les anciens, comment ils nous enseignaient la spiritualité du Dieu vengeur, c'est fini, ça ». Euh, notre Père, euh, Dieu, il est amour, il est tout, il est en nous, il est partout. Et bref, moi, j'ai toujours euh, une fascination pour Jésus. Et encore adulte, <laughs> récemment, j'ai écouté un film de Jésus, ben, je dis récemment, pas récemment, avant la pandémie. Euh, et je, encore une fois, c'était un traumatisme, là, le bout de la crucifixion. Je pleure, je pleure. Pour moi, c'est impensable impensable ce qui s'est passé, euh, son cheminement à cet homme-là. Et j'ai lu beaucoup de livres, c'est qu'on ne sait pas si c'est validé, bon, mais c'est quand même très intéressant de lire sur la période de 11 ans à 33 ans avant, euh, à 30 ans avant son ministère public à Jésus. Euh, j'ai différentes hypothèses, c'est jamais trop trop la même histoire, mais il y a toujours, le message est toujours le même, par contre, c'est ça que je trouve vraiment intéressant et souvent ça l'explique que justement il a étudié les différentes philosophies et différentes religions et puis l'a imprégné de son message donc voilà moi j'ai il me fascine Jésus <laughs> ah puis aussi c'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai eu un éveil spirituel puis je me suis mis à lire des livres de croissance personnelle euh, le premier c'était un livre de Pierre Morancy demandez vous recevrez ensuite j'ai lu euh, le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, et ensuite j'ai lu la Bible avec cette, euh, cet esprit-là. Je, je faisais les parallèles un peu avec Eckhart Tolle qui parlait de, de l'être et tout. Donc, euh, et puis j'ai lu la Bible avec une autre perception de ce que j'avais appris à l'école ou à l'église jadis, de ce qu'on m'avait inculqué. Je, je le percevais avec d'autres yeux, une autre compréhension. Bah oui, avec toutes ces lectures, ça te faisait euh, te ramener d'autres euh, cordes à ton arc, euh, une, autre, une autre vision, une autre perception. Euh. Comme on dit d'ailleurs, quand on lit un livre, le livre, lui, ne va pas bouger. Alors après, il y a des. Euh, on dit que la, la, bon, la parole est vivante, mais sinon, si on parle d'un livre le, lambda, le livre ne bouge pas, mais nous, on va changer. Donc si on lit un livre un jour J et qu'on va le lire un an, deux ans, dix ans plus tard, on aura l'impression que le livre a changé parce qu'on va le percevoir d'une autre manière. Oui, c'est. C'est ça, justement, à, à lire, tu acquiers plus de, de compétences, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, cette citation d'Einstein, la connaissance s'acquiert par l'expérience, le reste, c'est que de l'information, et c'est bien ce que tu disais, c'est l'expérience qui va nous permettre de, de connaître les choses. C'est vrai qu'un livre, on peut l'avoir lu il y a dix ans, puis quand on le relit, parce que j'aime ça faire ça, parfois. Et euh, on, on va chercher d'autres clés, d'autres outils. Euh, c'est vrai, c'est merveilleux. On évolue. Le, le livre, on dirait qu évolue avec nous. <laughs> c'est ça. Et alors, du coup, bah, je, je vais t'offrir, euh, profiter de ce direct pour t'offrir euh, un livre, justement. Oh, merci. Euh, message de mon guide de lumière. Donc, je te l'enverrai euh, au Québec. Et en plus, on a une formidable poste en France, puisque euh, quand on envoie un ouvrage euh, pour promouvoir euh, la la francophonie, eh bien, euh, en envoyant un livre écrit en français euh, à l'étranger, eh ben, on, <laughs> on fait Pour marcher vrai? le carbone des avions, d'accord <laughs> On contribue euh, euh, à avoir euh, voilà, une, faci une facilité d'expédition. C'est merveilleux, euh, mais merci beaucoup. Et je dois te voilà. dire, l'inverse, c'est pas vrai. Hein. Ici, c'est compliqué envoyer quelque chose en Europe. Euh, maintenant, il y a des, 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 des trucs à remplir, puis c'est compliqué. Euh, ouais, donc euh, c'est pas réciproque cette histoire-là mais c'est merveilleux, c'est une belle initiative <laughs> merci pour le livre euh, je suis certaine bah, que je... je vais le dévorer tant prie, donc euh, voilà il est là et euh, donc c'est en fait pour expliquer un petit peu, euh, juste brièvement c'est un, un livre avec des canalisations et il y a 77 messages euh, donc le chiffre 7, on sait quelle importance il a, euh, évidemment tout ça c'est pas un hasard, et donc bah, comme ça tu vas pouvoir le lire et puis euh, on aura l'occasion d'en parler euh, peut-être dans une prochaine vidéo ou que Merci, je pourrais euh... t'inviter dans un live. <laughs> Avec grand plaisir. Parfait, excellent. Plaisir. Ensuite, en transition, la, la question suivante, c'est comment t'es venue l'idée de créer les nouvelles de la vérité brutale <laughs> C'est l'année dernière, mon ami Gilles Belrose, qui, qui avait une chaîne qui s'appelle « Games and Roses », c'est une chaîne humoristique. Depuis la, la pandémie, il fait des, des sketchs humoristiques par rapport à la COVID. Et puis, il avait décidé de faire une émission de fin d'année humoristique. Ici, au Québec, depuis des décennies, euh, à Radio-Canada, il y a toujours une émission qui s'appelle Bye Bye de chaque année. Donc, cette année, ça va être Bye Bye 2021. Et lui, euh, comme pour faire un pied de nez à l'industrie, il a créé son propre Bye Bye qui a appelé Ciao Bye. Alors, il m'avait demandé de faire une capsule pour son, son émission l'année dernière et euh, je ne savais pas trop, j'étais pressée, je manquais de temps comme d'habitude. Et j'ai dit, euh, tiens donc, je vais faire une lectrice de nouvelles qui fait un peu un résumé de, des événements de l'année. Et puis, ça a coulé tout seul, tu sais, quand c'est euh, vivant, c'est organique. J'ai écrit ça euh, vraiment rapidement. Euh, ça, ça a sorti tout seul et puis... Euh, voilà, après ça, j'ai dit, bon, tiens, donc, je vais mettre des photos pour appuyer euh, ce que je dis, mais des fois donner un deuxième, troisième degré ou rajouter d'autres informations que je ne pourrais pas dire. Alors, je me suis amusée avec ça, puis euh, ça, ça a eu un gros succès durant son, son émission. Alors, je me suis dit, ben, tiens, je vais continuer d'en faire. Et puis, voilà, je m'amuse à faire ça, puis la réponse est bonne. Alors, euh, c'est pour ça que je continue. D'accord. D'ailleurs, tu l'avais invité ce matin, dans les, les matins d'amis, j'ai cru le voir. Exact, je voulais l'inviter pour parler de son thousbay de cette année. Il travaille vraiment très fort là-dessus. Et il vient juste de se faire supprimer sa chaîne YouTube. Euh, lui qui gardait, il, il publiait rien sur YouTube parce qu'il disait je veux garder ma chaîne Jusqu'au et Puis bon, tu sais, des fois, la vie est ironique. On, euh, ouais. si on veut partir une théorie du complot, c'est peut-être qu'il s'est fait supprimer à cause de ça <laughs> pour pas faire de, de compétition au bye-bye à Radio-Canada euh, ouais, mais ouais. voilà, on, on, va, on va quand même le suivre sur ces autres plateformes, notre ami Gilles Ouais, je rappelle pour euh, sur ta chaîne YouTube, donc là c'était euh, ce matin là et tous les mercredis matins, donc les matins d'Amélie donc c'est 8 heures heure du, euh, du Québec et 14 heures en France. Voilà, voilà. Et pour euh, rebondir sur ce que tu disais, euh, la peur aussi dans ce, ce processus créatif dont on parlait tout à l'heure, quelqu'un qui a peur de quelque chose va aussi créer ce dont il a peur. Et, et je pense que là, toi ça, ça a tout de suite résonné en moi. Si on a trop peur de se faire supprimer sa chaîne, eh bien on va faire en sorte que ça arrive aussi malgré nous, même si c'est quelque chose qu'on refuse. C'est pourquoi quand vous êtes dans un processus créatif, quand vous êtes dans des pensées, quand vous voulez quelque chose, c'est vraiment toujours important de penser à ce que vous voulez et ne pas penser à ce que vous ne voulez pas. Donc de transformer, tellement vrai. Voilà, les formulations, au lieu de dire je ne veux pas de méchants commentaires, vous pourriez dire j'ai envie que de bons commentaires des gens agréables, euh, je veux recevoir que des messages de paix, que des messages d'amour, des messages d'encouragement euh, je veux que euh, voilà, plein, plein, plein de gens euh, me fassent des donations pour que je puisse faire encore plus de contenu et pouvoir continuer de diffuser la lumière c'est une bonne leçon pour moi ce que tu dis, parce que souvent on a tendance à, tu sais, on reçoit plein de messages d'amour, puis là on va se concentrer sur le seul message haineux qui, qui va nous, nous transférer sa mauvaise énergie au lieu de juste se concentrer et puis dire non, j'accueille euh, tous les beaux messages, euh, tous les beaux compliments, tout l'amour que les gens euh, vont me donner, effectivement. Effectivement. Et c'est drôle parce que moi aussi, j'avais tellement peur de perdre ma chaîne YouTube. Et puis, euh, bon, je me, je me suis créé cela. <laughs> ouais. Il faut, faut être euh, il faut être en paix. Et là, tu as, as une communauté fidèle. Donc, euh... Ça c'est super. C'est vrai que c'est un message pour tout le monde aussi. Ce côté euh, créatif, n'ayez pas peur de quoi que ce soit, ce que vous allez euh, provoquer les choses. Soyez toujours euh, dans l'amour et, et osez faire les choses. Il faut oser. Et on n'est plus à l'époque où on se soucie de ce que les autres vont penser. Ou... Bon, là on, on est rendu ailleurs. Là. Ça c'est du vieux monde. Maintenant, euh, on doit être nous-mêmes et puis on ne doit pas avoir peur d'incarner qui on est réellement, d'être authentique. Il y a tellement de faux. Hein. Dans ce monde en ce moment. Alors, soyons vrais et authentiques. Et, je, je le dis encore, je l'ai dit ce matin dans mon émission, mais je le redis cessez d'être gentil, soyez vrai. Le livre, j'ai oublié l'auteur, mais bon, le titre, je l'aime bien. <laughs> cessez d'être gentil, soyez vrai. Tout à tout fait. Ce on a besoin. Mm. Et du coup, pour oser, bah, je reviens après sur ton, euh, ton clip, euh, puisque tu es aussi euh, chanteuse, tu t'es mis au chant. Et là, on a parlé en début d'émission de, de ton dernier single. Donc allez le voir aussi. Alors j'ai mis le lien là sur, sur la vidéo, mais euh, il y aura le lien aussi en description, on le, on le reproduira. En tout cas, c'est sur euh, ta chaîne euh, YouTube euh, de visionner euh, cette chanson. Et du coup, ça m'amène aussi à la question suivante. Quelles sont tes influences euh, musicales euh, mes influences musicales, ben, de toute évidence, beaucoup de monde m'ont comparé la chanson à Evanescence. Donc, effectivement, euh, Evanescence Emily est vraiment euh, une inspiration pour moi. Euh, les gens vont dire que c'est un son rock un peu passé date, mais moi, je trouve que le rock, c'est est intemporel, c'est toujours bon. C'est pas parce que c'est pas le, le son qui est diffusé à, à la radio que, que, que c'est pas bon. Moi, je trouve que c'est toujours bon. Et euh, j'ai découvert ça en, en faisant des spectacles en Asie, justement. Puis on chantait tous les hits. Et puis, euh, quand je chantais Bring Me to Life de Evanescence, ça, je me sentais là, puissante, vivante. Ça me faisait vibrer. C'est là que j'ai découvert que c'est vraiment ce style musical que, que j'aime. Alors euh, oui. Et bon, même si les gens me disent tu devrais chanter tel style ou tel style, moi, on m'a déjà dit oui, mais le country, c'est à la mode, tu tu devrais chanter du country, tu vas faire de l'argent. Euh, L'idée, c'est pas faire de l'argent. Moi, je veux, je veux faire ce que j'ai envie. <laughs> moi, j'avais envie de chanter du rock à la Evanescence. Euh, j'ai d'autres inspirations euh, comme le groupe de netherlands, Pays-Bas, Within Temptation, Un euh, groupe comme Nightwish aussi. Um, des groupes euh, plus euh, metal euh, comme euh, Avenge Sevenfold, euh, dans le temps, euh, Korn, toutes ces, toutes ces, ces bandes-là, j'aimais beaucoup. Euh, sinon, c'est pas vraiment une influence musicale, mais <laughs> j'ai toujours aimé les Backstreet Boys. <laughs> Aucun rapport. Ah, c'est mon petit plaisir, mon petit péché de, de musique, ça, les Backstreet Boys. Je les ai vus tellement souvent en spectacle et euh, je me tanne pas. Je les aime beaucoup. Par contre, durant la pandémie, ils m'ont déçu un peu. Là. Il y avait pour ceux qui connaissent les Backstreet Boys, il y avait euh, Howie, Kevin et AJ qui étaient des pro Biden. Là, ça, ça m'a déçu un peu. Là. Donc j'ai. Ils m'ont fait perdre le feu sacré des Backstreet Boys. Mais Brian, est, il est plus de, de droite aussi. Alors, j'étais contente de, de Brian. Je ne sais pas s'il y a eu de la chicane au sein du groupe parce qu'il devait avoir des. Ça devait faire des flémèches un peu, là, une différence d'opinion. Mais c'est bien quand les gens sont capables de mettre ces, ces différents-là de côté puis de, de continuer l'entraide. Mais bref, on parlait de mes influences musicales puis moi, je, je suis là, je m'emporte avec les Backstreet Boys. Mais effectivement, Evanescence, pour moi, là, honnêtement, Ma chanson préférée, je dirais de tous les temps, pratiquement, en tout cas, une de mes chansons préférées que je pourrais écouter tout le temps, c'est vraiment Bring Me to Life. C'est un chef-d'oeuvre musical. Alors qu'on me dise que ma chanson est, ressemble à cette chanson Bring Me to Life, pour moi, c'est un honneur. Je suis vraiment juste contente. <laughs> Et ben, tu, tu peux être, être contente aussi parce que euh, ben, c'est vrai que c'est... Euh... Bah, c'est un, un succès, déjà on le voit euh, effectivement dans les vues, dans, dans, dans tout ça. On sait aussi que ces trucs parfois sont trafiqués parce que euh, ceux qui ont euh, des groyens à pouvoir propulser et mettre en avant euh, euh, des singles, etc., qui, qui valent rien. Et, et là, du coup, c'est complètement l'inverse, puisque euh, tu laisses faire les choses naturellement, euh, sans subterfuge, et euh, le résultat y est. J'ai vraiment trouvé très bien et, et j'avais partagé aussi à des amis musiciens euh, qui... Euh, et qui ont apprécié également. Donc, il y a, il y a vraiment beaucoup de, 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 de technicité aussi. C'est Le vidéoclip est, est très bon est aussi. François Daller a, a réalisé un super bon vidéoclip euh, euh, dystopique, mais qui a quand même une fin pleine d'espoir, un petit peu mmh. euh, symbolique de ce qui se passe aujourd'hui. Si on veut s'en sortir, c'est en reprenant notre pouvoir. Il n'y a personne qui va nous sauver. Et dans le clip, le, le personnage, c'est elle qui décide. De reprendre son pouvoir et de se sauver elle-même, mais euh, à la fin elle combat la matrice. Et... Ah, faut pas raconter, faut pas, pas spoiler la fin. Quand <laughs> même. Faut pas spoiler la fin. Effectivement, c'est comme un petit film, donc je vous invite à regarder. Ça dure trois ouais. minutes et quelques secondes, mais c'est vraiment un petit film. On aurait envie de, que ça soit un film et de regarder ça pendant une heure. En tout cas, moi personnellement, je peux pas parler pour les autres, mais euh, François a est vraiment un très bon cinéaste. Je le remercie beaucoup. Donc c'est très très réussi. Alors merci encore pour, euh, pour ce travail que tu fais. Et puis donc euh, il est disponible effectivement gratuitement euh, sur YouTube. Et puis maintenant, bah, vous savez aussi que euh, ce qui est hop, que je te mette là. Hop, voilà, si vous voulez aider Amélie, hein, on... c'est le... le moment de le faire. Merci, parce qu'effectivement, les gens pensent que là, soudainement, je suis devenue riche parce que... ou qu'il y a une grosse maison de production qui paye tout ça pour moi, mais non, tu sais, c'est avec les dons que je peux payer des vidéoclips, les chansons, puis les gens, euh, pour appuyer la, le mouvement, la cause, bien, ils me font des, des prix pas trop chers, mais, tu sais, les gens travaillent pas euh, gratuitement, là, évidemment, euh, je veux les rémunérer, mais ils, sont, ils me font tous des bons prix, tu sais, le clip qui m'a fait, c'est un clip qui vaut très cher, et... Euh, il l'a fait avec son cœur et pour la cause, donc il ne m'a pas demandé beaucoup, mais c'est effectivement les dons des gens qui, qui, qui a payé pour ça. Alors, je remercie tout le monde de, de votre générosité. C'est grâce à vous que je peux faire des beaux projets de musique comme ça. C'est la musique du nouveau monde. <laughs> Chaque domaine a son, euh, sa spécificité dans le nouveau monde. Mais voilà, on crée la musique et les vidéoclips du Nouveau Monde. Et qui ont, qui ont réussi à faire un petit bout de chemin dans... Même dans, dans l'ancien monde, tu sais, si on peut un peu les contaminer en même temps, c'est parfait. Les contaminer positivement de notre fréquence. Voilà, pouvoir porter la lumière, les éclairer. Voilà, voilà. <laughs> très bien. Et alors justement, donc sur cette situation, euh, tu, tu me fais les transitions, c'est magique Amélie. Hein, c'est vraiment très fluide <laughs> avec toi. puisque La question suivante... Je, euh, je la mets à l'écran. Que trouves-tu de plus drôle dans la situation actuelle Donc on a bien compris qu'on parlait de ce système sanitaire en ce moment. Euh... Euh, ce que j'aime particulièrement, vu que là c'est drôle, ce que je trouve drôle, euh, c'est euh, les médias, là, les articles que j'utilise notamment dans La Vérité brutale, des nouvelles totalement ridicules. Donc, moi, ça me fait bien rire. Et c'est euh, un peu le secret aussi. c'est Ben oui, voilà, la lectrice de nouvelles très arrogante de La Vérité brutale. C'est d'autant plus drôle, Cédric, que des gens, ils disaient que j'étais euh, arrogante, j'étais hautaine, j'étais méprisante, en se fiant sur le personnage, comme si c'était moi. Moi, je... J'ai l'impression que les, les gens de l'ancien monde ne comprennent pas le second degré, ou en tout cas, je n'ai pas trop compris. Euh, mais bref, ce que je trouve le plus drôle, c'est ça, les, les, les médias qui sont totalement désespérés avec des nouvelles ridicules comme que les vents dominants nous ont protégés de la, de, de, des infections, ou que les feux de forêt répandent la COVID, qu'un rhinocéros qui, qui était testé positif à la COVID. Tu sais, des... J'ai ai particulièrement aimé euh, les derniers, euh, dans les derniers temps, j'ai vu euh, que euh, les... les pouvaient nuire au développement du fœtus. Pour les femmes enceintes, il pas recommandé de prendre des tylenols. Euh, mais parallèlement, les gynécologues disaient qu'il fallait que les femmes enceintes reçoivent leurs trois vaccins. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, C'est merveilleux, tu sais. C'est du petit bonbon, ça, qu'on peut en rire. puis, ça, ça met un petit peu de légèreté dans la situation, se moquer de, de tout ça. Je pense que se rire, se moquer, il n'y a rien d'autre à faire. Tu me parles des petits bonbons, ça me fait penser à... Euh, je, je vais le mettre à l'écran. Euh. La vidéo c'est qu'il a faite pour espir Halloween. Alors bon, c'est un peu passé, mais vous allez sur le YouTube de, de Amélie. Et euh, les origines Halloween, ah, c'est vraiment euh, j'étais mort de rire. <rire> Donc, je vous conseille aussi d'aller voir cette, euh, cette vidéo. Les petits bonbons, là, c'est euh, exactement ça. Ouais. J'en ai fait une sur Noël aussi que je vais, euh, je vais la republier bientôt, mais elle est sur ma chaîne Odyssey, là, si les gens veulent la voir, euh, les origines de Noël, c'est bien aussi. Oui, les origines, je l'avais vu l'année dernière, effectivement, sur euh, ce côté satanique. <laughs> oui, ouais. c'est ça. Et euh, Il faut en prendre, en laisser, il faut prendre un petit peu avec un grain de sel, mais je trouve ça drôle de fouiller là-dessus puis voir euh, l'histoire derrière euh, le développement de, de la fête de Noël. Et il faudrait que j'en fasse un éventuellement sur la Saint-Valentin et sur Pâques. Ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, j'ai noté aussi une chose, c'est que euh, en France, alors ça devait être le, euh, le enfin c'était le jour de la Saint-Nicolas hein, la semaine dernière où, euh, où le Premier ministre et euh, et puis son acolyte là ont, ont donné leurs mauvaise nouvelle. Et c'était précisément le jour de la Saint-Nicolas euh, qui on sait, donc c'est l'incarnation de. de bon, enfin, par rapport au Père Noël, et, et de montrer que finalement les restrictions pour les enfants étaient choisies précisément ce jour-là. Donc on peut noter quand même une certaine perversion dans la manière d'annoncer les nouvelles. C'est fou. Hein? Pour la France, est-ce que vous avez le droit de fêter Noël, d'avoir des, des fêtes, des parties à plusieurs Comment ça fonctionne Alors. <laughs> Pour l'instant, officiellement, euh, on aurait le droit. Maintenant, il faut s'attendre euh, à des jauges euh, qui vont euh, faire leur apparition dans les restaurants, probablement. Et euh, donc, effectivement, le but, c'est euh, de mener la vie dure à tous ceux qui n'ont pas euh, le QR euh, mm -hmm. code. Donc, euh, faut s'attendre à des choses. Maintenant, il faut rester aussi positif. Hein, comme on dit tout à l'heure, si on a peur de telle ou telle chose ou qu'on se sent obligé de faire, on va attirer à nous les, les, les éléments. Je répète, soyez dans la construction. Donc, quelles que soient les décisions gouvernementales, quelles que soient ce que vous pouvez voir, en fait, concentrez-vous sur ce que vous voulez, concentrez-vous sur ce nouveau monde. Et donc, ça veut dire... Ben, si vous avez envie euh, de faire un, un événement chez vous, de ou trouver quelqu'un qui a un logement plus grand si c'est petit chez vous, etc. Euh, vous pouvez aussi trouver peut-être quelqu'un qui, qui va pouvoir cuisiner pour vous. Il y a, il y a toujours des solutions et dès l'instant que vous êtes en mode euh, je trouve des solutions au lieu de vous mettre en mode victime on peut pas faire ci on peut pas faire ça. Eh bien c'est ce que je disais tout à l'heure avec le système qui s'écroule. Soit vous êtes en mode euh, l'ancien monde à vous dire tiens c'est en train de tomber on peut pas faire ci on peut pas faire ça on est prisonnier ou sinon comme disait tout euh, Martin Luther. King, Nelson Mandela, euh, ces euh, hommes brillants aussi euh, dans l'histoire, disaient que finalement, euh, la vraie prison, c'est quand on l'a dans sa tête et on peut être emprisonné physiquement, mais dès l'instant que l'esprit est libre, eh bien, on peut faire ce qu'on veut. Donc réfléchissez en matière de liberté et osez avancer, osez faire les choses et, et, et n'ayez plus peur. Il faut arrêter avec ça. Soyez dans la confiance, soyez avec le cœur et faites-vous plaisir. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. J'aime ton message positif que amène. tu amènes. Tu perpétues pas la peur et mmh. l'inquiétude, l'insécurité, c'est ce qui est beau. Très bien. Alors, la question suivante, elle est un tout petit peu euh, différente. J'ai changé juste le mot du milieu à savoir, qu'est-ce que tu trouves de plus surprenant dans la situation actuelle Ce que je trouve le plus surprenant, c'est les gens qui dorment encore. <laughs> et qui n'ont pas, euh, pas eu d'éveil ou qui ne qui doutent pas encore, qui n'ont pas vu, qui ne perçoivent pas du tout rien de louche, ça, ça me surprend énormément. Je sais que c'est une question de conscience, mais je me demande toujours euh, comment ça que certaines personnes il euh, n'y a pas d'élévation, il n'y a pas d'éveil, il n'y a rien qui se passe là, c'est. C'est mort. Ça, ça, c'est très surprenant, oui. Je dois dire. <laughs> OK. Et la, et la, la dernière de, de cette trilogie de questions, c'est euh, le plus incompréhensible dans la situation actuelle. Je pourrais. Ça pourrait être la même réponse pour les trois. Hein. C'est drôle, euh, surprenant et incompréhensible que les gens n'allument pas. Ça, ça c'est surréaliste pour moi, mais incompréhensible. Ça pourrait peut-être être aussi euh, les gens qui ont compris, mais qui décident de rien dire. C'est comme les, les artistes, disons, qui aurait un réel poids, là, les grandes vedettes. Euh, pourquoi ils ne se mettent pas tous ensemble pour faire comme une sortie? Euh, parce que c'est sûr que c'est difficile individuellement, parce qu'après ça, ben, on se fait ostraciser, on perd nos contrats, on perd euh, toutes les opportunités, mais... Mais tous ensemble, toutes plein de vedettes ensemble, surtout au Québec, c'est tellement un petit marché. Euh, si toutes les grandes stars se mettaient ensemble, ils ne vont pas toutes soudainement euh, euh, dire que toutes les vedettes sont devenues fous euh, et qu'ils ils, sont débarrassés. Je veux dire. Même au niveau de l'intégrité, je ne sais pas comment ces gens-là peuvent continuer de faire comme si de rien n'était, faire semblant. Euh, les artistes, il me semble que c'est dans, dans la création, c'est des créateurs, mais la création, c'est souvent pour, pour exposer la vérité, pour dénoncer. Euh, et puis, c'est fini. Même les humoristes ne sont, sont plus drôles du tout parce que ce qui est drôle, c'est d'exposer les absurdités, les incohérences de la société. C'est ça qui est drôle. Et ils le font plus donc c'est un humour un peu euh, vide je dirais faux un humour faux maladroit vide donc pas drôle du tout finalement ça c'est ouais c'est incompréhensible pour moi je pourrais pas il euh... y aurait pas un montant d'argent pour me faire me prostituer comme ça c'est non je serais pas capable ce qu'il y a, c'est souvent la peur. De toute façon, tu, tu viens de le résumer. Hein, euh, les artistes ou même beaucoup de personnes, il y en a qui vont pas oser. Et ce côté mouton aussi, je pense que, comme tu dis aussi, il y a beaucoup de gens qui ont compris, et par contre, qui ne savent peut-être pas comment s'y prendre, ou, ou qui manqueraient de courage, qui euh, qui n'auraient qui, qui pas le charisme pour, pour aller de l'avant, etc. Alors, encore une fois, vous savez, dans mes discours, il n'y a, a jamais de jugement, c'est toujours la bienveillance, c'est des constats. Et, et c'est normal qu'il y ait des gens qui soient là pour se mettre en avant et d'autres qui soient juste là pour suivre. Il y, a, voilà, il y en a besoin de tout le monde dans ce qui se passe. Et pour revenir sur ce thème de, de mouton, bah c'est à un moment donné où, bah justement, si ce mouton noir sent qu'il y a un engouement, que ça chuchote dans les rangs et il se dit, bah, si moi je passe... En avant, je sais que là, les moutons derrière vont pouvoir me suivre. Et je pense qu'on n'est pas encore arrivé vraiment à ce moment-là. Et gardez confiance aussi dans le sens où il y a des gens qui vont certainement vous surprendre parce que soit ils se réveillent tardivement, soit ils sont déjà réveillés, mais ils faisaient semblant de dormir. Parce que, comme je disais, de ne pas savoir comment s'y prendre, de, 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 de manquer de clairvoyance, en fait. Et certaines personnes, les lanceurs d'alerte ou, ou d'autres, ou les lanceurs de, de lumière, on peut avoir compris des choses pour différentes raisons que vous ne pouvez peut-être pas pouvoir développer ici parce que il faudrait plus de temps. En tout cas, gardez confiance parce que vous allez pouvoir être surpris par le comportement de certaines personnes et même certains qui peuvent paraître vraiment obscurs ou inconscients pourront agréablement nous surprendre. Et si je peux rajouter, je sais pas s'il y a des artistes, euh, des artistes connus au Québec qui nous écoutent, mais qui sait, <laughs> certains sont très curieux et puis euh, ils nous suivent, même s'ils restent dans l'ombre et ils se prononcent pas, mais je peux dire, vous êtes déjà, si vous êtes déjà connus, vous avez déjà des fans qui vous aiment, qui vous suivent, et ils vous laisseront pas tomber, là, tu sais, euh, je veux dire... C'est sûr que c'est peurant, vous avez peut-être peur de. de tu sais, c'est l'insécurité financière, je vais perdre mes revenus et tout ça, mais je suis certaine que les fans, au contraire, vont. Et même, vous allez vous faire d'autres fans, euh, des gens qui ne vous suivaient pas avant, qui n'écoutaient pas votre musique ou qui n'écoutaient pas vos émissions, et puis que là, parce que vous avez osé vous prononcer, là, ils vont vouloir vous, vous soutenir. Il y a un nouveau marché qui se développe, c'est. Euh... C'est ça l'avenir. Le, 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 le marché euh, auquel vous vous raccrochez pour votre survie est en train de s'effondrer et va mourir. Alors, autant sauter dans le train pendant qui est temps et au moins vous allez être du bon côté de l'histoire. Quand tout ça va être euh, démasqué, moi, euh, personnellement, je ne voudrais pas être de ceux qui, qui se sont fermés et puis qui ont fait comme si de rien n'était. J'aurais tellement honte. Alors, c'est la limite, là. Tu sais, c'est la limite pour que les gens vous accueillent quand même à bras ouverts, sans... Puis, puis tu sais, je sais, en France, les artistes connus, les vedettes doivent faire beaucoup d'argent, mais au Québec, c'est un petit marché et euh, pas, ils font pas des millions, là. C'est une petite poignée d'artistes qui font vraiment des millions. La plupart... Euh... Ils font, je ne sais pas comment ils peuvent gagner, mais ce pas des montants à tout casser. Alors, euh, moi, je, je ferais le saut et puis j'essaierais de développer déjà comme un nouveau marché, peut-être sur les réseaux sociaux. Les gens vont vous suivre, les gens vont vous aimer parce que vous osez être intègre, être vous-même. Vous avez osé dé dénoncer. C'est euh, euh, un peu maladroite la façon que je l'exprime, mais. C'est un petit peu un cri du cœur que, que je lance aux, aux artistes, aux gens connus. On a besoin de vous parce que vous avez la crédibilité du public. Ils vous écoutent, ils vous aiment. Vous avez souvent plus de pouvoir que Legault ou Macron en France qui commencent à vraiment perdre beaucoup de crédibilité, les politiciens. Mais les artistes, les gens vous aiment, vous suivent, ils vous voient à la télé, ils écoutent votre musique. Donc vous avez une belle influence. Puis pourquoi pas l'utiliser pour le bien de l'humanité? tu sais? Tout à fait. Et je pense que dans cette construction aussi que chacun peut faire, aussi bien c'est encourager les artistes qui lèvent la voix, euh, comme toi, hein, donc on pourrait reparler encore de bah, la manière de te soutenir euh, les donations par exemple, euh, on le voit sur, sur d'autres artistes après qui peuvent euh, après se produire, etc. Et il y en a tout un paquet euh, qui ont un discours euh, où on voit clairement que soit ils dorment, soit ils font partie euh, des méchants en tout cas dans leur, dans leur discours, eh bien, vous avez aussi cette capacité de les boycotter. C'est-à-dire, du coup, de mettre votre énergie, non pas dans certains artistes que vous pouviez aimer, mais qui ont un discours euh, maintenant qui ne veut plus rien dire, et mettre votre énergie sur, vers des artistes qui vous euh, plaisent vraiment. Comme moi avec je les Backstreet Boys. Faire, ouais. <laughs> Comme moi avec Comment les Backstreet Boys qui m'ont déçu. <laughs> C'est ça. ça. Voilà. Je, je vous dis ça parce que je le fais aussi. Hein. Il, y a, il y a des artistes que j'aimais bien, je des comiques. Euh, je, ils sont boycottés, mais alors pour combien de temps je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, il y en a. Je sais que par rapport à leur manière de fonctionner aujourd'hui, il y en a même qu'on n'entend plus du tout. Eh bien, je suis déçu. Mais bon, après, euh, il n'y a pas de jugement. Chacun fait comme il peut. Chacun a certainement une très bonne raison de faire ce qu'il fait. Euh, mais c'est incompatible avec euh, ma vision du, du nouveau monde. Donc j'agis de cette manière et, et j'encourage tout le monde à vraiment faire les choses comme votre cœur le dicte. Oubliez la peur et faites, c'est le cœur, c'est c'est l'amour, c'est le bonheur et, et là on est sur euh, neurosatis, euh, c'est la satisfaction. Donc faites les choses pour vous faire plaisir. Voilà et euh, il y en a sûrement qui gardent le silence parce que euh, il y en a, je parle des artistes qui gardent le silence parce que ils disent euh, bon je vais je, je vais rien dire puis ça va ça va revenir à la normale bientôt puis bon on va pouvoir continuer comme si de rien n'était mais euh, ça ne reviendra jamais à la normale, on ne reviendra jamais, il faut, faut oublier ça. Là. Donc, ça ne sert à rien de dire oh, « je vais garder le silence jusqu'à ce que tout soit revenu, normal, résolu ». Bon, non, non, c'est fini. Là. Donc, il n'y a plus d'autre choix que de sauter dans le train des gens éveillés qui s'en vont euh, vers autre chose, vers... Euh... Des nouveaux paradigmes, nouveau monde. J'essaie de dire autre chose que nouveau monde, mais il n'y a rien d'autre pour l'exprimer le, le, mieux. Une nouvelle conscience, un nouveau monde, une nouvelle vibration, une nouvelle façon de faire dans tous les domaines. Un, un monde de vérité. Tout est un mensonge, donc tout va s'écrouler. C'est pourri, il n'y a plus rien à faire avec ça. Sortez de là! Tout simplement. Bah ben, écoute. Euh, ben, voilà! Vois, je, Encore je crois un bon que... lien! Ah, franchement, Amélie, ça, on l'a pas révisée, celle-ci. Euh, mais Là, tu as tapé dans le mille. J'ai <laughs> fait une vidéo le 27 août, justement, sur cette idée des deux trains, mensonge et vérité. Donc, si vous êtes dans le train du mensonge, changez. Euh, allez sur la chaîne principale Neurosatis et vous la retrouvez aussi sur neurosatis.fr. Euh, on est vraiment connectés. C'est merveilleux. On est connectés, oui, ouais. wow. <laughs> <laughs> Voilà, sur Neurosatis slash vidéo, vous allez retrouver toutes les, toutes les vidéos aussi. Et, et celle-ci s'expliquait euh, assez brièvement ce que. Euh, aussi ce que tu viens de nous dire, euh, cette, euh, du, en tout cas d'une autre manière, mais c'est vrai qu'on parle de la même chose. Mmh. Alors, on va, on va passer euh, encore aux questions, puis après, on va pouvoir aborder les questions des internautes. Euh, donc, je faisais défiler tout à l'heure aussi euh, en bas de l'écran. Posez vos questions euh, pour Amélie, on va y répondre juste, juste après. Commencez par un double plan d'interrogation, ça permet de les voir plus facilement donc euh, de belles questions bienveillantes avec de l'amour etc euh, sinon notre modérateur euh, va devoir sévir et donc euh, ça sera <laughs> toujours dans l'amour que vous serez euh, voilà vous serez rejeté avec amour. <laughs> voilà, c'est ça. Et donc, euh, on se concentre maintenant sur les messages agréables, sur ceux qui font plaisir. Donc, euh, allez-y, posez vos questions. Et comme le disait Amélie tout à l'heure, elle est prête pour répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de tabou. Donc, euh, euh, on se, on se bon. fait plaisir. Parfois. Tu veux nous dire quelque chose le temps que je retrouve mes diapositives euh, Oui, euh, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais bien dire Encore... Euh... Parler des artistes, j'ai entendu des, des choses en coulisses, peut-être sur euh, Sans dévoiler un punch, mais certains artistes connus ici qui seraient peut-être en train de préparer quelque chose pour le début de l'année, une petite sortie ou ah. ça, ça me remplit d'espoir. Hein? Je, peu, je peux rien dire, puis je ne sais pas si ça va vraiment se faire, mais il y a vraiment un collectif de quelque chose qui est en train de se préparer, donc ça peut donner espoir aux gens. Mais c'est pas. Euh, je ne dis pas ça pour donner espoir pour qu'on on s'assoit, puis on ne fasse rien, puis on attend. Encore une fois, euh, il faut rester dans, dans l'action, et puis euh, il ne faut pas attendre que quelqu'un nous sauve. Il hein. faut que nous-mêmes, on fasse l'introspection et qu'on qu se sauve nous-mêmes, en quelque sorte. Mais euh, il y a, je crois qu'il y a un éveil euh, exponentiel qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup d'espoir. Je... Arwen de la réo dit qu'au niveau de... de... À la fin décembre, là, il devrait se passer de quoi énergétiquement? Là, ça serait peut-être pas quelque chose qu'on va pouvoir percevoir. Ce ne sera pas des anges qui vont descendre du ciel pour <laughs> nous. Mais euh, énergétiquement, il, il va se passer quelque chose que peut-être certaines personnes plus sensibles vont pouvoir ressentir. Mais euh, énergétiquement, au niveau de la lumière, au niveau de... Il y a, il y a des choses qui se passent. Là. Donc, si ça peut remplir le cœur des gens d'espoir... Moi, en tout cas, je suis pleine d'espoir. On voit ton sentiment et tes impressions pour la suite des événements. <laughs> J'ai encore répondu à la question avant de la voir. Euh, voilà, mais... ouais, c'est formidable. <laughs> ah oui, c'est ça. Donc, euh, je, voulais, je vous informe que euh, Amélie est médium. Mm -hmm. Oui, voilà. <laughs> tu m'as dit ça d'ailleurs avant qu'on soit en live. Tu as dit qu'il faut que tu développes tes, euh, tes capacités médiumiques. Est-ce que c'est un mot, ça, médiatique euh, Parce que tu les as sans, sans trop le savoir, donc il faudrait que, faudrait que je développe Tout à ça. fait, je confirme. Euh... <laughs> mais et... oui, je le vois très positif, moi, ce qui s'en vient. Je crois que ça va brasser 2022, mais euh, euh, on, on, positivement, tu sais, il va y avoir des choses difficiles, mais moi, quand c'est un petit peu paradoxal, quand il y a des mesures plus sévères et plus de restrictions, moi, je le vois avec. Je me réjouis de ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'éveillent grâce à, à ça. Quand, quand c'est plus strict encore, euh, je, je, je sais que les gens, ça, ça les frappe, puis ils se rendent compte que, bon, on va, ne on va pas s'en sortir, ils vont jamais nous redonner notre liberté, donc va falloir qu'on reprenne qu nous-mêmes notre pouvoir. Ben, on a la liberté, on est libre, nous sommes liberté, il n'y a personne, on n'est pas des moutons qui quémandent au gouvernement euh, notre liberté. Mais attendez pas, justement, qu'il qu vous la redonne. Prenez-la. Et sur ces belles paroles, il est 22h22 ici euh, en France. Donc, avec ces heures miroirs, c'est un beau message, euh, Amélie, que tu viens de partager. Merci. Pour les soirées, je viens une question drôle. Je viens de voir une question drôle les, les, les commentaires. Question pour notre belle Amélie. Quelle est ta chanson préférée de Guylaine Banguet? <laughs> Est-ce que tu connais Guylaine Banguet? C'est une chanteuse country très très populaire ici au ah, Québec. Une grande non, star. Tu as dû peut-être voir un mime drôle sur elle dans les derniers temps parce qu'elle a déclaré à la télévision. Ah, Louise Canouille, bonjour Louise. Elle a déclaré euh, le plus sérieusement du monde qu'elle aimait les mesures sanitaires parce qu'elle aimait ça, avoir des règles à suivre et bon, euh, elle aimait ça. Ça lui permettait de ne pas avoir à réfléchir par elle-même. Alors, ça l'a créé tout un scandale ici. Donc, la personne qui me demande quelle est ma chanson préférée de Guylaine Tanguy, c'était avec beaucoup d'humour. Et pour répondre à ta question, Dan. Euh, en fait, je ne connais pas du tout son répertoire musical. C'est une chanteuse de talent, mais je ne connais pas sa musique. C'est pas mon style du tout, le country. Alors, une dernière question euh, qu'on avait reçue euh, au préalable, parce que si tu lis les questions, après, mon modérateur, il va se vexer. <laughs> il va envoyer les vidéos. La dernière question, en fait, c'est comment vois-tu le monde de demain Donc là, on, on, juste avant, on a parlé de, de, cette, de cette transition. Mais justement, quand tout sera dévoilé, quand tout sera lumineux, quand tout sera... Euh, sera ben justement, ça sera comment, en fait C'est une bonne question. Je, on a un petit peu parlé avec Arwen Laréo. Elle a dit qu'on continue notre vie, mais j'imagine qu'on va être juste plus aligné avec notre mission de vie. Chacun va savoir ce pourquoi il est ici et être au service de la communauté, au service de Dieu, au service de... de, de, de... Mais selon ses, ses talents, tu sais, quand je dis au service, c'est pas de dire, hein, pas, je, je suis au service, ça m'énerve. Non, on va être heureux d'être au service grâce à nos talents, nos, 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 nos goûts, tu sais, Bon. Euh, voilà. Donc, je, je sais pas comment ça va se passer, mais il va y avoir vraiment un... Plus d'entraide, de, de respect, il y a des histoires de haine, de compétition. On ne sera plus dans l'ego, dans la dualité. Euh, et puis, on va être dans la vérité, surtout, c'est important. Hein? On euh, ne sera plus fake, j'appelle ça fake, là, faire semblant de. Ouais, ouais, je vais bien, alors que euh, c est, c est, ta vie ne va vraiment pas. On va juste être vrai. Et peut-être qu'on va développer euh, une autre monnaie, quelque chose. Tu sais, la monnaie va courante va peut-être persister un petit peu dans l'ancien monde le temps qu'on fasse une transition puis ensuite il euh, y aura peut-être une monnaie souveraine qui va se développer ou on va juste fonctionner tout simplement qu'on va s'échanger des trucs j'en sais rien je, je tu dis que j'ai des talents de médium mais ça là j'ai euh, <laughs> je le vois pas encore mais j'ai juste foi que ça va arriver par contre et puis qu'on s'en va vers ça. Moi, je me suis incarnée à cette époque-ci pour voir ce monde-là, c'est pas pas juste pour le préparer, moi je veux le vivre. <laughs> c'est sûr. Donc euh, moi, je suis persuadée que je vais le vivre euh, ce nouveau monde. Tu as pris ton ticket dans le bon train Ouais ouais, tout à fait. Moi, j'ai monté dans le train de la vérité, puis je suis prête. Je suis prête. J'ai laissé tomber l'ancien monde, moi, il m'intéresse plus du tout. Bien. Alors je vais, je vais euh, en attendant les, euh, les questions. Donc là, mettez vos questions, les dernières questions dans le dans le chat et puis ensuite euh, on va les, les transférer euh, à Amélie. Et euh, je, je voulais reparler juste euh, pour le livre. Donc je vais t'envoyer, te, euh, je vais par le partage d'écran euh, pour en reparler. Euh, mais ça, mon... alors toi tu regardes pas le prix parce que c'est un cadeau, euh, mais oui. c'est pour vous dire que vous pouvez récupérer sur. Sur le site Neurosatis en fait hein, pour, pour pour commander le le ah, livre beau. un beau cadeau de Noël ça oh, ouais. ça sera ton cadeau de bête bah, justement j'espère qu'il va arriver avant bah, à, avant Noël je, je l'enverrai dès demain puisque euh, toutes les commandes qui sont faites sur Neurosatis.fr donc euh, je mets moi-même le livre dans une enveloppe et, euh, et je et je l'envoie aucun donc, stress aucun stress voilà c'était ça ça va être ça va être bien puis je vous rappelle donc le site euh, pour retrouver euh, Amélie et, euh, et l'aider dans son, dans son travail pour pouvoir euh, bah préparer aussi ce monde de demain. C'est notre mission, il n'y a rien d'autre qui compte. Tout à fait. <laughs> et je pense qu'en fait, c'est pour ça que la vie a fait en sorte que je n'ai pas eu d'enfants, parce que c'est certain que quand tu as des enfants, ben, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, et puis tu ne peux pas... Euh, tu peux pas juste te dédier, à, comme je dis, ma mission. Tu dois, tu dois créer un environnement favorable d'occuper tes enfants, leur donner de l'amour. Bon, alors euh, voilà. Je pense que c'est pour ça que la vie a fait en sorte que j'ai pas eu d'enfants. Bien. Alors je sais pas si le modérateur il, il est peut-être parti faire une sieste. <laughs> les questions manuellement ah, je suis pas, pas étonné une fois il m'avait fait le coup aussi euh, il s'était endormi mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui bah, encore une fois les bénévoles hein, donc euh, ça me fait penser euh, dans le film la cité de la peur euh, des nuls quand euh, ils avaient des invitations et il y a eu un problème ils y rembourser nos invitations <laughs> c'est un peu le même principe hein. euh, bon après euh, comme c'est gratos on peut pas trop euh... ah il est là qui dit je suis là <laughs> Bon, alors voilà, j'attends les, euh, les questions, euh, mon modérateur adoré. Alors, on a tout dit, on a tout dit. On... Les gens n'ont plus de questions, on a tout dit. Voilà, on a tout dit. <laughs> que tu Mais il y a quand le même le Dan meilleur. Desrochers qui a dit, « J'ai pas d'enfant ma copine non plus depuis deux ans, j'ai compris et accepte ce fait. » Voilà, il y a toujours une raison. Hein. C'est pas une obligation dans la vie. Jadis, euh... c'est quoi ta marque de mascara Zieu? Ça, c'est... Euh... C'est Christine qui demande ça. J'ai dit, il n'y a pas de questions taboues. Oh. Ma marque de mascara, c'est Covergirl, je crois. C'est quoi? Covergirl? On est, on est dans l'ancien monde là, en ce moment avec ces questions. Euh, voilà, mais c'est la réponse. Je ne sais quoi dire d'autre. Bon, c'est les aléas du, euh, du direct. Euh... Ah bon, Christine, atypis. Alors, ah ah, est, est. Un... juste une question, attention. Oh, attention, une question. Attention, Amélie, attention. Parce que là, c'est complètement improvisé, là. Hé, hein. hey, on est live, tu sais, c'est. Voilà. Mais moi, je suis médium, je suis censée savoir c'est quoi la question qui s'en Alors, les... ben justement, alors, non, mais euh, tu fais exprès. Comment guider au mieux notre entourage à s'éveiller <laughs> euh, Ça, c'est euh, <laughs> ouf. Ça fait plusieurs fois que tu réponds avant la question. Hein? <laughs> ben, je ne sais pas si on doit encore gaspiller de l'énergie à essayer de, de réveiller les autres. Je crois que ce qui compte en ce moment, c'est de s'élever soi-même et de vibrer le plus haut possible pour que notre haute vibration soit contagieuse, parce que ces vibrations-là, c'est contagieux. Puis, au lieu d'être là assassiné, puis d'avoir l'air d'être en train de convaincre quelqu'un à rentrer dans notre secte, <laughs> c'est mieux de juste euh, rester paisible, rester bien, rester euh, dans, dans, centré, euh, ancré. Et puis, de, justement, d'être contagieux de cette belle énergie. Parce que moi aussi, j'essaie je, encore, tu sais, des fois de convaincre mon père en lui envoyant des vidéos, des trucs, là, <laughs> qui parlent des dangers de XYZ. Euh, mais en bout de ligne, si les gens n'ont pas encore compris après deux ans, euh, oui, ça se peut que des gens s'éveillent encore, mais je crois que les choix sont faits, là, les gens ont choisi leur camp. Hein. On a plus des chances d'éveiller les gens à, à être bien ancrés puis à s'élever en vibration qu'à dénoncer puis à essayer d'exposer de, 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 le complot, là, puis d'expliquer, puis de s'ostiner avec les gens. Je pense que c'est bien, on l'a fait, il fallait le faire. Tu sais, Moi-même, je le fais encore avec les vérités brutales, mais c'est peut-être aussi avec l'humour qu'on peut... Euh, peut-être toucher, en, en pointant ce qui, est, ce qui est ironique, ce qui est fou, ce qui fait pas de sens, mais en riant, tu en... ça, ça peut peut-être être efficace, tu sais, en montrant des articles absurdes là, comme je disais tout à l'heure, des chevreuils ont, ils ont répandu la COVID ou les, les vents dominants. Je l'aime bien celle-là. C'est un docteur ici euh, au Québec qui avait dit que lors d'une manifestation, il n'y avait pas eu de contamination. Puis on était plus de 100 000 et un animateur très connu à tout le monde en parle. Il avait demandé à ce docteur marquis qui s'appelle pourquoi, pourquoi il n'y avait pas eu de contamination. Puis il avait répondu, bien, il y a le facteur chance. Puis il y avait aussi les vents dominants, tu sais, qui étaient favorables. Fait que ça c'est très drôle. Là, tu sais. <laughs> ça c'est la science, la, la science qu'il faut écouter. C'est c'est ça les grands scientifiques aujourd'hui. <laughs> les ouais. grands scientifiques qui disent euh, le, la nouvelle sauce euh, pour... Euh, la, la sauce n'est pas efficace pour le nouveau variant Omicron, mais recevez la sauce. Hein? Mais, ah bon, ok. Il euh, y a de, toutes sortes de... Il y a toutes sortes de trucs qui font aucun sens. Puis c'est le fun de les pointer puis peut-être de, 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 de se moquer un peu, tout simplement. Il n'y a, a probablement pas de recette magique. Juste de ouais. rester dans le respect, surtout de pas. Tu sais, c'est tellement facile moi-même, j'ai tendance à... à me rebeller et à être fâché envers les gens de ma famille qui ne comprennent pas en me disant Mon Dieu, ils doivent dire que je suis folle et ça me fâche. Mais c'est pas la solution. Vraiment pas. Et alors, un peu dans le même genre, et. Mais... Maintenant, qu'est ce que tu feras après pour ceux qui euh, qui savent mais qui sont désespérés euh, des gens qui vont justement tu parlais d'espoir tout à l'heure et il faut savoir que dans les personnes qui, qui ont compris hein, qu'on va dire euh, éveillées, il y en a qui par contre qui n'ont pas cette clairvoyance sur le monde d'après qui ont l'impression que on va finir avec une puce dans le derrière et que ou que ceux qui vont refuser la soupe se vont se retrouver dans telle ou telle euh, condition qu'est ce que tu pourrais leur dire ou Qu'est-ce que tu vas conseiller, donc pour ceux qui nous écoutent, déjà pour eux-mêmes, pour reprendre espoir, et aussi le discours qu'on pourrait avoir si autour de nous on a des gens qui eux manqueraient d'espoir. Il faut toujours se rappeler une chose, c'est que c'est une peur d'émis. Hein? tout ça tient en place avec la peur. Donc ça fait partie un peu du plan de de nous faire peur avec le plan. Ça fait partie du plan de nous faire peur avec le plan. Euh, ça prend aussi des, des, un petit bonbon pour les dissidents, pour les moutons noirs, comme moi-même je fais, puis que je parle de la puce pour détecter la COVID, puis bon, dans la, la vérité brutale euh, numéro 9. Euh, mais c'est juste pour répandre la peur, ça. Euh, ces entités-là, ces êtres-là, je ne sais pas comment les définir, se nourrissent. Des vibrations bases, des émotions bases, la peur, la culpabilité, la honte. Donc, c'est juste de leur donner de l'énergie et de la nourriture. Alors, c'est juste de sortir de la peur le plus possible. Et comment on sort de la peur? Bien, en reprenant notre pouvoir, pourquoi avoir peur? Pourquoi les gens disent oui, mais j'ai peur qu'ils qu forcent mes enfants à se faire vacciner? Euh, non, il n'y a personne qui va forcer personne. Pour, pour le moment, oui, nous sommes contraints. On a beaucoup d'obstacles si on refuse, mais Personne ne va nous forcer, en tout cas pas jusqu'à maintenant. Et je crois que c'est toujours c'est ce qui est véhiculé, qu nous faire peur que probablement qu'on va finir dans des camps de concentration puis qu'on va être forcé à se faire vacciner ou c'est une peur d'Emmy, tout ça est là pour nous faire peur, mais en réalité, il n'y a rien à avoir peur parce qu'ils n'ont pas notre pouvoir. Moi, je... ils n'ont pas mon pouvoir. Euh... Donc, c'est justement de... de... Leur donner le moins de pouvoir possible. Si vous êtes dans une job au gouvernement, euh, ben essayez peut-être de trouver un plan B sans tout laisser tomber comme ça, évidemment. Mais avoir un plan B, un échappatoire, si jamais, bon, tu sais, les choses se corsent, que vous ne soyez pas pris à la gorge, comme plusieurs ont dit Ah, oh, je me suis fait vacciner pour ne pas perdre mon emploi parce que je ne peux pas me le permettre et tout. Mais préparez-vous à ça. Et de toute façon, ça fait partie du nouveau monde de de travailler pour soi selon ses capacités, ses talents, ses goûts. C'est fini, ça, de travailler pour, pour enrichir des grosses corporations ou travailler pour le gouvernement. Tu sais, les gens, parfois, ils vont se convaincre qu'ils aiment leur travail. Je dis, mais t'aimes vraiment ça, ce que tu fais à travailler pour le gouvernement ou à travailler pour une compagnie pharmaceutique ou bon, peu importe. Ben, euh, ouais, j'aime ça, tu sais, tout ça, c'est pas, pas très sincère et les gens essaient de se convaincre parce qu'ils ont une, une bonne paye, parce qu'ils font beaucoup d'argent, ben ils essaient de se convaincre qu'ils aiment ça. Non, non, c'est fini ça, maintenant il faut se lever chaque matin en, en ayant envie de faire ce qu'on s'apprête à faire, on est, on est en, en étant excité euh, de sentir qu'on sert à quelque chose, qu'on est au service, qu'on a une utilité et non pas euh, servir euh, des gens qui se foutent complètement de nous. Donc, euh, peut-être de se trouver des plans B pour, pour reprendre son pouvoir si jamais quelque chose allait mal. C'est tu sais, quand on reprend son pouvoir tranquillement, on a moins peur. Si on n'a plus peur, ils n'ont plus aucun pouvoir sur nous. C'est la peur qui tient tout ça en place. C'est une peur démi Si on enlève la peur, il n'y a plus rien. <laughs> tout, tout s'effondre il n'y a plus tout ce qui est perpétué dans les médias c'est la peur, la peur, la peur enlevons la peur, il n'y a plus rien ça leur gagne peur ouais. <laughs> oui c'est ça et puis c'est comme ça qu'ils nous tiennent en faisant peur, il y a des gens qui sont allés se faire euh, boire la sauce juste parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi mais il y avait c'était pas c'était pas certain encore il aurait pu attendre d'être vraiment au pied du mur. Euh, non, les comme gens. Dit le proverbe, arrivent... euh... oh, comme, pardon. comme dit le proverbe, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Ben oui, attendez donc d'être au pied du mur. Mais voilà, il y en a qui, qui, qui ont peur d'avoir peur. Tout ça tient en place, comme je dis encore une fois. C'est juste la peur. Donc ça de ça. Mm. Ils n'ont pas le pouvoir sur nous. Ah! Mm. D'ailleurs, j'en profite pour, de, mettre, de, pour mettre ce tableau. C'est l'échelle de conscience de, du docteur David Hawkins, donc, euh, qui, est, qui est assez, assez connue. Et dedans, vous trouvez justement la peur. Alors, tu parlais d'entités de, qui se nourrissent de ça. Et effectivement, c'est bien le cas. Et si vous regardez, la peur, elle est, elle est assez en bas dans l'échelle. Plus vous montez après en conscience, plus votre bonheur augmente. Hein, donc, on va dans la dernière colonne. Et, ah. euh, et vous voyez, hein, en fait... Justement, il travaille que euh, quand vous regardez les médias, que sur ces énergies-là, euh, vous allez avoir honte si vous n'avez pas pris la sauce. On va vous faire culpabiliser également parce que euh, c'est à cause de vous que euh, du coup ça circule ou qu'il y a des, euh, il y a des formes graves. <laughs> ça, ça me fait mourir de rire. Oui. Euh, vous allez contaminer grand-mère Voilà, c'est oui. ça. Après l'apathie la, la, hein, qui, qui est l'inverse de, de l'empathie. Alors c'est du ça mettre du désespoir, de l'impuissance, hein, l'impression qu'on qu n'y y est pour rien. Mais non, vous n'y pouvez rien. Regardez-nous, le gouvernement, tout ce qu'on fait, euh, comme des gros nuls. Et eh ben pour autant, euh, on n'en sort pas. Donc vous, euh, misérables petits citoyens, euh, vous ne pouvez rien y faire. Donc après, vous avez plus qu'à pleurer sur votre sort, euh, le chagrin, etc. Et voyez comment ils cultivent ça. Alors que comme on dit. Hein, dans la manière de plus positive de passer le message, on pourrait parler des remèdes, on pourrait parler de, 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 de tout ce qui existe, mais pour monter euh, du courage aussi, d'aller de l'avant. Euh, après, bah, de rester neutre, d'avoir de la volonté, accepter ce qui se passe. Ok, tu disais au début du live le virus, c'est juste une information qui arrive dans le corps et euh, c'est là pour rééquilibrer. Ceux qui sont trop déséquilibrés peuvent euh, effectivement avoir des problèmes, mais sinon ça fait que que passer. Et ensuite tout ce qui est dans ce rose et, et ce violet, c'est là-dessus qu'il faut vraiment vous concentrer à chaque événement. Et, et si quelque chose qui passe à la télé paraît désagréable, eh bien, riez, parce que vous envoyez déjà l'information au corps que ça va bien. Qui aurait envie de rire à un moment où c'est dangereux? Personne. Donc, ça marche dans les deux sens. Quelque chose vous fait peur, bah forcez-vous à rire. Comme ça, vous allez envoyer l'information à votre corps et ça va vous mettre dans une bonne situation, dans une bonne énergie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans le processus euh, euh, la culpabilité, c'est écrit destruction et c'est vraiment justement des émotions très destructives, ce qui est le contraire de, du nouveau monde dont on parle, qui est dans la, la création, la construction. Et je pense qu'on parlait de, de comment ça va être le nouveau monde, mais je dirais que ça serait tout ce qui est violet, ça, ça va être le nouveau monde. Mais euh, je crois que l'humanité n'est pas plus haute. L'humanité en général euh, n'est pas plus haute que l'orgueil ou même la colère là, mmh. en moyenne. T'sais, on n'est même pas au niveau du, du, de la neutralité. Et même en ce moment, avec la, la peur des mis, on doit probablement être dans la, la peur. Donc imaginez si l'humanité est là, dans l'anxiété, dans cette terreur. La vue de la vie est effrayante. Puis le processus, c'est retrait. Tu sais, effectivement, on voit le, beaucoup les gens s'isolent et se séparent de leur famille. Hein, vous n'êtes pas vaccinés, vous n'êtes pas invité au, au party de Noël. Oui, c'est pour ça, dans la manière de créer le nouveau monde, hein, dans les conseils euh, qu'on peut donner, c'est justement sortir de, tout, euh, de tous ces niveaux bas et, euh, et, et aller en bas. Donc, déjà, vous, rien qu'en étant dans la joie, euh, dans la paix aussi, de pas vous sentir euh, euh, brimé ou, ou peur ou quoi que ce soit, et bien, vous êtes déjà en train de construire ce nouveau monde parce que vous vibrez dans ce que vous voulez qui euh, fonctionne. Et on le voit en mécanique quantique, c'est vraiment cette manière et c'est comme ça, c'est l'intrication de toutes les vibrations de chacun qui crée le nouveau monde. Donc là, il y a des gens qui vont partir et il y a des gens qui arrivent. Eh bien, ça, c'est la vie, c'est fait comme ça. Et plus il y aura de gens dans la joie, et plus la joie va se manifester rapidement. Tout à fait. Et puis, sentez-vous pas justement coupable si, si vous tombez dans les émotions en rouge Ça arrive, là, je veux dire, ça arrive qu'on qu peut sentir du chagrin, de la peine, de la colère. Mais l'important, c'est de ne pas y rester. C'est correct de, 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 de sentir parfois de façon isolée des émotions plus négatives. On est humain, mais l'idée, c'est de, de s'élever et de s'en sortir. Tout à fait. Alors, il y avait une question. Je vais la mettre là. Comment vois-tu l'année 2022? Euh, euh, <laughs> mes capacités médiomiques sont, <laughs> sont ralenties. Euh, je pense que ça va brasser euh, au niveau des mesures. Et je dis ça pour ma part, comme je dis, mon groupe s'excite. <laughs> Je trouve ça excitant quand il y a des mesures plus sévères parce que je me dis, bon, les gens vont enfin allumer. Mais je crois qu'il va y avoir un bel éveil euh, au niveau de peut-être la troisième sauce et quatrième sauce. Et puis j'ai vu euh, quelque chose là, qui disait que le nouveau variant Omicron va probablement nécessiter en lui-même trois sauces différentes euh, seulement pour Omicron. Pour ce que. pour un rhume, ni plus ni moins. Alors on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais euh, les gens vont, ils vont voir qu'à un moment donné, ça n'a pas de sens. Quelques-uns sont des cas désespérés et puis ils vont dire moi, en autant, je vais prendre toutes les sauces qu'on nous dit de prendre, il n'y a pas de problème. Bon, c'est correct. Et puis, bon, eux vont, vont avoir leur, leur, leur cheminement. Je ne sais pas quand la vérité va éclater au grand jour. Je sens que ça va arriver. Je ne pourrais pas dire si ça va être en 2022. Je l'espère de tout cœur. Euh, mais c'est sûr que ça ne sera pas facile pour plusieurs. Et je crois que nous, on devrait être là pour supporter les gens qui vont vivre un éveil brutal. Euh, la vérité brutale, oui, c'est le de dire. Je crois que nous, on doit juste être là, bienveillant, et euh, pas dire. Euh, je vous l'avais dit! Ça fait deux ans que je vous le dis, puis vous ne m'avez pas écouté! Non, il faut juste être, même si c'est très tentant pour l'ego de dire j'avais raison! Mais ça va être plus d'être là, bienveillant, accueillant pour peut-être répondre à leurs questions, puis euh, les appuyer dans, dans le cheminement, parce que ça ne sera pas facile pour eux, je crois. Des gens, Pour certains, ça sera peut-être trop difficile et puis ils vont en arriver au suicide. Euh, mais voilà, ça, ça, ça fait partie de leur cheminement d'âme. Chacun a fait son choix, je crois, en venant sur cette terre. Il y en a qui ont choisi de passer dans l'autre monde et d'autres non. Donc, on peut déjà avoir une idée quel âme a choisi de passer. Qui, on a une petite idée déjà à voir le comportement de certains. Mais je crois que les gens peuvent s'éveiller n'importe quand encore. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais il faut laisser, il faut laisser, tu sais, il faut laisser l'énergie circuler, pas trop euh, résister, puis essayer de convaincre. Là, euh, ça, on l'a fait, puis c'est correct. Mais oui, je crois que euh, c'est du beau qui s'en vient. Mais, mais quand? Il faut toujours passer par une période un petit peu plus difficile avant, tu sais, toujours une tempête avant de... de le, le calme du beau temps, le, le retour de la paix et tout. Donc, il faut s'attendre à ce que ça va peut-être brasser un petit peu, mais on est fort déjà là, entre nous. Euh, ceux qui nous écoutent en ce moment, on a déjà un certain cheminement, donc on est capable de, de faire face à tout ça. Tiens, il y a une autre question, c'est euh, ta définition de l'authenticité. Une question. Ami, ami, <laughs> car. Euh, ben, l'authenticité, euh, c'est tout simplement être vrai. C'est euh, de, de <laughs> je répète encore, c'est essayer d'être gentil, soyez vrai. Donc c'est pas de toujours dire ce que l'autre veut entendre, puis paraître bien, puis bon tu sais la société est politically correct. C'est tout le contraire d'être politically correct. C'est d'être euh, si on nous demande notre avis de nous de dire notre avis sincère, euh, avec respect, hein, jamais dans le but de démolir hein, évidemment. Si on ne nous le demande pas, ben, de ne pas donner notre avis comme ça non plus, est... ou si on y tient, dire, euh, est-ce que tu aimerais savoir ce que j'en pense? Et c'est tout, donner le choix à la personne. Mais je m'éloigne un petit peu de l'authenticité, mais c'est ça, c'est juste d'être vrai, de, de prêt à dire la vérité, puis d'arrêter toutes ces convenances, toutes ces... Ces histoires de politique correct », il ne faut pas offusquer faut pas un puis l'autre. Oh, c'est tout faux, c'est tout du fake. T'sais, aller vers ce monde de vérité qu'on essaie de bâtir. Et euh, arrêter de fusquer pour tout aussi. Les gens, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Tout le monde est offusqué pour des, des niaiseries. Là. Des. Je <laughs> ne sais pas ce que vous êtes en France. Des Picadilles, des des. des ah. balivernes. <laughs> Euh, voilà. Ouais, ouais. C'est <laughs> encore la peur finalement. Hein, ceux qui s'inquiètent du regard des autres, qui ont peur, qui ont peur de dire, de ça fait partie euh, effectivement des croyances qui, qui sont véhiculées. L'authenticité, c'est aussi d'être soi-même, comme tu euh, l'as voilà. dit. Et finalement, bah, c'est bien de demander l'avis. Euh, oui, est-ce que tu veux euh, pas <laughs> poser la question, est-ce que tu veux mon avis Parce que finalement, sinon, il y en a qui vont écouter par politesse et, euh, et tout le monde s'épuise. Oui, et euh, ces convenances-là, tu sais, euh, le politically, politically Correct, comme je dis, c'est un petit peu ça qui fait que toute cette peur d'Emmy tient en place et que les gens veulent bien paraître et euh, ils veulent pas se faire mettre de côté et c'est ça qui fait que tout le monde est fake. Je quelqu'un qui ne se prononce pas, qui dit rien, euh, qui attend que ça passe, qui attend que la crise se termine, puis bon, c'est fou, C'est ça, de ne pas être authentique. On ne peut pas... Poursuivre sa vie comme si de rien n'était, sans se prononcer aujourd'hui, le non, c'est pas vrai. Et surtout tous ceux qui sont dans la croissance personnelle, des enseignants, euh, ceux qui sont des, des thérapeutes, alternatifs, euh, naturopathes, osteopathes, ou peu importe. Si vous ne vous prononcez pas, vous ne dites pas la vérité aux gens, c'est si, si, ça, c'est pas être authentique, c'est faux. On ne peut pas avoir un mensonge aussi gros, puis pas le dénoncer. Les enseignants la, en croissance personnelle, tout ça, euh, vous ne pouvez pas enseigner l'élévation de conscience si vous n'expliquez pas aux gens le mensonge dans lequel on vit. Sinon, les gens vont juste continuer de patauger dans ce mensonge-là. Ils ne vont jamais s'élever spirituellement. Alors, euh, c est, c est, si vous voyez un, un enseignant ou quelqu'un euh, dans les, les, euh, la médecine alternative qui qui n'est pas vrai par rapport à ce qui se passe, qui ne le dénonce pas, qui ne qui dit rien, qui, qui garde la loi du silence, ben, euh, courez, courez. C'est juste faux. <laughs> c'est pas authentique, en tout cas. Bon, c'est bien dit, ben, ça. C'est l'aliment, C'est très bien dit, voilà. C'est dit simplement. <laughs> c'est merveilleux. Ben oui, c'est ça. Tout simplement. Tu parles de développement personnel, effectivement, on avait parlé un petit peu en off de, euh, de ce que tu viens de décrire. Hein, euh, et et c'est aussi bah, cet alignement, on le retrouve, euh, on le retrouve effectivement à, cette, à cet endroit. Alors je profite juste de ça pour faire une aparté euh, justement sur le programme qu'on on propose sur Neurosatis, cette transition entre le développement personnel et le développement spirituel. Donc ça c'est sur neurosatis.fr stage boutique, où vous aurez tous les détails. Et c'est sortir justement, ne pas s'arrêter à ce développement personnel, aller au-delà. Et c'est vraiment cette transition qu'on fait en huit étapes qui va permettre euh, l'émancipation et surtout de pouvoir être bien dans euh, le nouveau monde. C'est intéressant Donc, ça de faire cette transition-là parce qu'on ne peut pas rester. C'est un, une première étape, la croissance personnelle, mais on ne peut pas rester là-dedans, là, à tourner en rond. Il faut, euh, faut aller plus loin. <laughs> Exactement. Sinon, on reste, font, mental, on reste dans le mental, ça reste ici. L'idée, c'est justement de, de sortir de ce côté euh, égotique, puisque ceux qui restent trop dans l'ego, euh, après, c'est un business. Enfin, je veux dire, tu vois, dans les coachs de développement personnel, il y en a, c'est un business, en fait. Il faut aussi maintenir les gens dans l'ego pour leur dire, tiens, regardez, prenez, donnez-moi de l'argent comme ça, vous allez euh, euh, être meilleur que si, vous allez être plus ça. Vous... Et en fait, c'est enfermer les gens justement dans ce côté de l'ego. Et bon bah après voilà chacun <laughs> fait du mieux qu'il peut et il euh, y en a certainement bon bah voilà qui euh, qui mordent à l'hameçon et et je, bon après encore une fois on va il n'y a pas de jugement de dire ils sont malhonnêtes il faut pas faire ci il faut pas faire ça euh, je dirais comme disait Coluche euh, tant que euh, tant qu'il y a des gens qui achètent, euh, bon bah voilà c'est c'est euh, après tout pourquoi ils ils faire il autrement tu vois c'est un peu ce, ce principe là mais bon, dans, dans, dans tout cas, moi, pour l'alignement, justement, ou cette authenticité, c'est de proposer quelque chose de complet, où on va comprendre qu'on a un égo, déjà savoir aussi euh, que l'égo, il peut... Ça, c'est une citation, je vais vous la remettre. Euh, que l'égo, en fait, on peut aussi faire des choses avec. Hein, remporter sans victoire, après sans bataille, c'est pas le plus habile. Donc, c'est ne luttez pas contre vous-même, je répétais, et ça veut dire aussi dégager la peur. Si vous êtes dans l'instant présent, eh bien, il n'y a plus de peur. Vous êtes... C'est tout. Oui, c'est pas facile, ça, mais ça, ça se fait. ça se fait. Bien, on va arriver au terme de, de ce dialogue. J'ai plus de, de questions, Amélie. Tu as été tellement, euh, tellement formidable sur les premières questions. Je vous dit, on, des... <laughs> on a tout couvert. Comment On a tout couvert. On a tout couvert ce qu'on qu pouvait dire pour être euh, à la fois authentique. Et, euh, et, et puis bon c'est notre, euh, notre premier direct et l'objet c'est pas comme on disait tout à l'heure hein, tout le monde, enfin en tout cas ceux qui nous suivent doivent savoir quand même beaucoup de choses <laughs> sur, euh, sur ce qui se passe donc on n'est pas là pour, pour lancer des alertes c'est passer un beau bon moment et euh, voilà. apporter des réponses à ceux qui se posent des questions et pour rire justement rire ça fait monter son système immunitaire donc allez voir les nouvelles de la vérité brutale il y, a, il y en a neuf en tout. On retrouvait ça sur les sites d'Amélie sur sa chaîne YouTube. Alors, euh, on peut supporter Amélie aussi avec les donations. YouTube, euh, Amélie Paul, donc tu as déjà 000, plus de 9000 abonnés. Ah, Et puis pour ta chaîne. Ça remonte, Dracula. <laughs> C'est beau. Et sur ta chaîne, euh, sur Odyssée également, euh, qui marche bien, voilà, 15 000 abonnés. On se retrouve également sur Facebook. Ouais, euh, on est en direct et là aussi euh, avec du monde. Mais merci et du monde, justement, le monde, allez voir. Oui, voilà, voilà. Le, allez voir le monde. Le Mais merci, ça a été super agréable ce live-là avec toi. Merci. Merci. J'espère que tous avait passé un bon moment et puis euh, bah, si tu es, euh, si es d'accord, Amélie, j'aurai plaisir à te, à te réinviter. On pourra Peut parler d'autres choses, aller plus euh, <laughs> sans doute des thématiques euh, plus précises avec plaisir ce que tu veux avec plaisir oui très bien ben, super donc merci à tous euh, d'avoir suivi euh, jusqu'au bout merci euh, bien sûr à toi à Amélie euh, d'avoir répondu présente d'avoir apporté ta lumière et ton dynamisme et euh, et donc comme le temps n'existe pas euh, je dirais à tout de suite <laughs> Oui, c'est vrai. À tout de suite, les amis. Donc, merci encore. Je te laisse le mot de la fin. Et puis, on dit à bientôt à nos amis, toi, le mercredi matin, dans les matins d'Amélie. Et puis, après, sur d'autres directs, puisque tu es invité aussi. Tu es très populaire. Donc, pour continuer à porter ta lumière. Merci, Amélie. Et je te laisse terminer ce direct. Je veux juste dire merci à tous d'avoir été là. Puis c'est toujours un plaisir pour moi de, de répondre à des questions. Euh, C'était des bonnes questions en plus. Je trouve qu'on a pu vraiment euh, faire le tour de, 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 du sujet de la question. Euh, puis je vous invite à chacun de reprendre son pouvoir. C'est vraiment euh, la thématique principale que j'ai ces temps-ci, c'est de, de reprendre son pouvoir. Quand on, on prend son pouvoir, ben on est plus on n'a on plus peur, on a moins peur, du moins. Et puis, euh, quand on n'a plus peur, ben on n'est plus atteignable. Donc euh, voilà, c'était mon mot de la fin. Et bonjour Christine Fisette. <laughs>